C'est parti. Yep. Bonsoir tout le monde. Hello, hello. Donc ce soir, comme vous le voyez, on redémarre les lives avec Alain. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai un petit souci avec le chat, donc je vais naviguer entre plusieurs fenêtres. Mais en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas trop de lag déjà. Comment allez-vous? Ouais. C'est ça. Comment vous allez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Tout ça, tout Mais oui. ça. Dites-nous tout. J'ai un Les nouveau millions de casque. personnes qui sont sur le chat. Ouais. Normalement, il n'y a pas On les... remarquera qu'il est bleu. Hein? On remarquera qu'il est bleu Oui. sur les. C'est un très bon choix. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh bien oui, tout pareil. Heureux de retrouver tout le monde. Enfin, pour le moment, tout le monde, ça a l'air d'être Franck et Kera, mais on espère qu'il va y en avoir un peu plus. Il y a Et les autres s'ils une sont deuxième là. Adeline. Oh, mon Dieu! Adeline 31170. Je ne sais pas si c'est le code postal, mais... C'est possible. Première fois sur le chat. Calandaras. Et Bonsoir. bonjour, Calandara. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, les Adeline. Ouais, allez, vendu. J'avoue. Je ne peux que dire effectivement que nous sommes les meilleurs. C'est ça. C'est ça. Eh ben, en tout cas, enchantée, bienvenue au nouveau et j'espère que tout le monde va bien depuis le mois de juin. Finalement, la période a été Et beaucoup oui, plus hein. longue que ce qu'on avait pensé. Mais c'est Alors, Franck, reparti. il est déjà à la deuxième campagne de Moon. Eh Carrément. oui, Franck. Ah oui, bah nous aussi, dis donc. Avec Kiara et Katel, qui n'est pas là ce soir, mais... Et Calandara, c'est un binôme, Salim et C'est des copains à Léanor, c'est moi. ça. Ah ben voilà. Coucou. C'est, je ne sais Il pas y a d'où vient Aude ce qui est nom, arrivée. mais je n'aurais pas deviné. Et bonsoir Jérôme également. Calandara, ça fait nom de la roue du temps, un peu. Je sais pas si c'est lié à ça, mais et je sais pas si vous avez commencé à regarder cette série et surtout à lire les Moi, je bouquins connais pas du tout qui sont. la roue du temps. Eh bien, c'est mal. Tu es Ah, viré. déjà, ça n'aura pas duré longtemps. C'est ça. Mais je vire et je rembauche les gens assez vite. Malheureusement, je ne les augmente pas à chaque fois. Ça Ah, marche pas, ça. bon. C'est bon. Alors, attends de me virer. Voilà. Hello depuis le Waouh! Portugal. Cool. Trop bien! Salut Prunelle. Eh ben, enchantée, Prunelle! Grâce à toi, nous sommes un chat Hey! international. C'est cool la Peut-être qu'on vie. aura des Belges! Et J'ai oui, proposé on aux jamais. Belges de venir nous regarder ce soir, peut-être en prévision d'une invitation dans un prochain live. Ah bah écoute. À voir! Puis peut-être on aura des Québécois, parce que pour eux c'est l'après-midi là, C'est vrai! donc les Québécois qui glandent, ils vont peut-être pouvoir nous regarder, on ne sait pas. Bon alors ce soir on joue à Welcome to the Moon, le nouveau jeu. Yeah! Comme vous l'aurez deviné, Exactement. évidemment. Quelle surprise. Du coup, est-ce que parmi le dans le chat, il y a des gens, il y avait Franck qui disait qu'il avait commencé sa deuxième campagne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à Welcome to the Moon, qui l'ont déjà acheté ou qui vont l'acheter pour y jouer bientôt? Juste pour savoir qui en est où, surtout. Il y en a qui l'ont déjà offert, même, Ah, carrément. oh, trop bien. Et Aude joue en famille, trois autour de la table, bah, très bien. Ok. Alors oui, pour ceux qui nous rejoignent et qui savent pas comment jouer avec nous, parce que bien sûr, vous allez pouvoir jouer avec nous, il y a sur le site de Blue Cocker, il faudrait que je sois intelligent et que je vous mette le lien, les fiches que vous pouvez télécharger et imprimer. Oui, Alors je moi je vais vais retrouver aller ça chercher le lien aussi. en direct parce que j'ai pas pensé avant. Alors la règle, je Voilà. vais pas la mettre. La fiche numéro 1. Elle est là.
Bah cool que tu sois pas déçu, Franck. Et pour ceux qui voulaient l'acheter, bah, il va falloir qu'ils attendent un peu parce qu'il est. Enfin, tu peux peut-être encore en trouver un peu en boutique, mais il est en rupture distributeur. Quel Donc, succès. c'est ça. Effectivement, j'ai jamais eu une implantation, comme on dit en termes techniques, aussi forte sur un jeu. Donc, c'est cool. On en a vendu bah, quasiment. En un mois et une semaine, 8 000 et quelques, quoi. Presque Ah ouais, 9. incroyable. Mmh. C'est trop bien, mais en tout cas, il y En a beaucoup, France. beaucoup, beaucoup de retours hyper positifs sur le sur dans le monde du jeu, déjà, je dirais, sur Welcome to the Moon, quoi. C'est parce qu'on envoie des gens tuer ceux qui font des retours négatifs. Voilà. C'est structuré maintenant, hein. On a des tueurs, tout ça. Donc si Il jamais... était encore dans les cartons quand tu l'as acheté, eh ben dis donc. Qu'est-ce que... Ah, j'ai pas lu. Bon. Franck, qui dit que quand il l'a acheté, il a obligé le vendeur à ouvrir les cartons BlackRock, pour l'avoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent Et pas par contre, Alain, je t'ai quand coupé, oui. même, je ne t'ai pas présenté. Alain est Et oui, c'est l'éditeur vrai. de Blue Cocker. Enfin, Et voilà. notre grand WAF international. Exactement. Le grand C'est ça. WAF, c'est moi. Donc, on va commencer ce soir à jouer avec le mode campagne. Parce que dans Welcome to the Moon, il y a une version classique, on va dire, où chacun peut décider de jouer une aventure ou une autre séparément les unes des autres. Et il y a aussi le mode campagne où on va pouvoir en fait être un peu dans un style le livre dont vous êtes le héros. Et Exactement. après chaque aventure, on va devoir prendre des décisions avant chaque aventure aussi. Et du coup, ça aura une influence sur l'aventure suivante. Exactement. C'est effectivement dans Welcome to the Moon, on a 8 jeux en un. Mais le vrai propos de cette boîte, c'était de faire le mode campagne. Et donc, la première campagne qu'on va vous faire jouer maintenant. Que certains sur le chat ont déjà joué, c'est ce qu'on appelle la campagne d'initiation pour vous apprendre à jouer les feuilles. Et là, les seuls choix que vous aurez à faire, c'est définir les objectifs qu'il y aura sur la feuille suivante. Mais dès que vous aurez fini la campagne d'initiation, vous pourrez attaquer la deuxième campagne où là, ben, vous avez plus de 110 cartes campagne qui vont modifier plein de choses, mais je ne vous dirai pas quoi parce qu'il va falloir que vous le Oui, découvriez. faut pas spoiler ça. C'est ça. La découverte est trop bien. Ah, ben voilà. Et pour répondre à Chiara, les feuilles sur l'application, ben ça va être difficile. Notamment parce que la feuille 8, pour ceux qui ont déjà joué à la campagne, va être difficile à mettre sur une application. Mais je sais pas, on y réfléchit, puis c'est surtout 8 jeux, quoi. Donc c'est un peu cher à faire, mais on va voir l'année prochaine, on va essayer d'y réfléchir, mais pas de suite en tout cas les feuilles de score sur Ah, l'application. ce n'est pas un nom définitif, du coup. C'est un on y réfléchit, mais je sais pas si ce sera possible. Donc c'est pas un oui. Très très probable non plus. Oui. Bon après, enfin, c'est pas non plus obligatoire, je dirais. Enfin, c'est vrai que les crayons écrivent un peu gros dans les petites cases. Mais. C'est parce que tu appuies Hein? trop. Peut-être déjà Non, bien, franchement, tu vois. c'est tatillon. Oui. Mais oui, bah, j'ai essayé beaucoup de trouver des petits feutres Velleda à pointe très fine. Mais en fait, c'est très dur à trouver. Ah oui. C'est pas du tout standard. Et en fait, tous les fabricants ne me proposaient pas ça, quoi. Enfin, après, ils te proposent toujours tout ce que tu veux, hein, les gens. Hein, mais du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ça, Donc. oui. Mais c'est vrai que Kiara en parle là sur le chat, pourquoi pas faire payer les gens même pour l'application? Ça peut être une appli payante. Ça peut réduire peut-être le... Ouais. Oui, peut-être, mais c'était pas la philosophie, C'est ça, c'est vrai. puis ça pose plein d'autres problèmes de faire. Dès que tu fais des applis payantes
Apple, enfin, il faut faire des milliards de choses. Alors quand tu fais gratuit, bah, ils t'embêtent moins, ça, tout ça. Ah oui, ok. Mais on y réfléchit, on vous tiendra au courant, bien sûr, parce que on est trop bavard pour cacher ce qu'on fait, donc on vous le dira. Pas de soucis. Alors, si on commençait. Rentrons dans le vif du sujet, mais qu'est-ce que c'est donc? Que se passe-t-il? Dis-nous mais tout. Mais oui, alors, il s'est passé énormément de choses depuis notre départ des quartiers américains, du Welcome, le premier tome, le premier volume. Ouais, ah oui, là. Du coup, notre planète est condamnée. Misère. Ah merde. Et le sort de l'humanité est entre nos mains. Ah merde. C'est mal barré. Et comme on doit sauver notre peau, eh ben, on va devoir essayer de s'envoler vers la Lune et d'essayer de sauver toute la population et de l'amener jusqu'à la Lune pour la coloniser. Et pourquoi donc il faut qu'on se barre? Eh bien, alors, est-ce que tu... Il ne sa... Pourquoi donc? C'est pourquoi donc? Mais pourquoi donc? On ne sait pas. Telle est la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas des essaims de météorites qui vont s'écraser sur notre mais Terre? Oui. Alors attends, mais pourquoi je ne l'ai pas... C'est marrant, hein, j'étais en train de lire la première partie, mais non, c'est là. Alors, ça y est, j'y suis. Des astéroïdes frappent la Terre depuis des semaines et la situation empire chaque jour. Vous devez fuir la Terre, donc nous devons fuir. Pour cela, on va devoir préparer au plus vite une fusée pour aller coloniser la Lune avant qu'il ne soit trop tard. Donc nous allons devoir charger en matériel les différents étages de la fusée en fonction des plans de celle-ci. Donc comme vous le voyez, on a différents étages sur notre fusée. Ceci est une course contre la montre et nous comptons sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Eh oui, pour voilà. Faire décoller notre fusée. C'est mieux. Donc le but est de faire décoller sa fusée avant celle des adversaires. Ben voilà, oui. Pour la première aventure. Alors, ben, je vais peut-être vous expliquer les règles de cette première aventure, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors effectivement, comme on l'a dit, vous voyez, est-ce que je peux vous le montrer un peu mieux? Et bonsoir Malélo, et bonsoir Scu, à qui je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Oui, je vais faire des petits dessins, parce que j'aime bien faire des petits dessins. Fais des petits dessins, je t'en prie. Donc là, vous voyez les météorites, parce qu'en fait, on appelle ça des astéroïdes, mais j'ai appris en faisant Moon, même si on a laissé astéroïde, qu'un astéroïde, c'est un... ça devient un météorite quand il te tombe dessus. Ah oui. Donc, tant qu'il est dans l'espace, c'est un astéroïde, mais quand il tombe sur sur une planète, c'est il change un... de nom. Voilà. Et c'est ça, il change de nom. Voilà. Donc, ben voilà, il y en a plein qui tombent. Donc, nous, on a notre fusée. Comme on vous l'a dit, il y a plusieurs étages. Et il va falloir remplir tout ça. Les deux premiers étages, c'est les étages des astronautes. Après, on a l'eau, les réserves d'eau, des robots qui vont nous aider. Du matériel divers qui va nous servir à planifier des tâches, de l'énergie, puis de la biomasse, des plantes, tout ça. Et le dernier, ou le premier, selon comment on compte, étage, c'est un étage bonus. Donc comment on va faire? Ben, le principe de Welcome, pour toutes les aventures de Welcome to the Moon, est le même que celui du Welcome de base, c'est-à-dire qu'on a toujours trois paires de cartes numéro action. Ici, on appelle les cartes numéro des cartes vaisseaux, et les cartes action des cartes action. Voilà. Et donc, ben là, vous voyez les trois premières paires qui sont super différentes, oui. C'est que des énergies. Très variées. Hein. Voilà, donc on a un 8, un 6 et un 14 énergie. Alors, dans cette première feuille, qui est beaucoup plus simple que les autres, parce que les aventures de Welcome vont grimper en difficulté au fur et à mesure, là, vous n'allez pas vraiment faire l'action. L'action va juste vous dire où vous pouvez, dans quel étage, vous pouvez inscrire votre numéro. Donc là, ben, comme c'est
3 énergies, vous pouvez l'inscrire dans l'étage énergie. Un étage doit être numéroté de manière croissante de gauche à droite. Les numéros vont toujours de 1 à 15. Même s'il y a des séparations, la numérotation ne change pas. Donc, voilà, un étage est une zone qui doit être croissante. Mais vous pouvez toujours numéroter dans l'étage bonus, qui permet de numéroter quelle que soit l'action. D'accord ? Donc, une fois que vous avez mis votre numéro dans le bon étage, donc ici soit l'étage énergie, soit l'étage bonus, eh ben on va retourner 3 nouvelles cartes et avoir 3 nouvelles combinaisons et faire un nouveau tour. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie, qui a lieu comme dans le welcome de base, si quelqu'un a fait les 3 objectifs qui sont là, ou si quelqu'un a numéroté a numéroté toutes ses cases, ou si quelqu'un a entouré toutes ses erreurs système. Voilà. Et la quatrième manière qui est spécifique à cette feuille, c'est si quelqu'un a réussi à faire décoller sa fusée. Comment on fait décoller cette fusée ? Eh ben, quand on numérote, on va remplir des compartiments. Alors, soit il y a des étages comme le deuxième étage robot, celui-là, qui n'a qu'un seul grand compartiment, mais le premier, lui, a 2 compartiments, un de 2 cases, un de 3 cases. Quand on a totalement numéroté un compartiment, par exemple, là, je vais mettre un 2, et puis là, je vais mettre un 5, du coup, j'ai accès aux bonus qui sont dessinés sur le mur, sur le fond du compartiment. Je vais pouvoir appliquer ces bonus. Je vais prendre un autre exemple parce que c'est mieux de commencer comme ça. Là, si j'avais fini ce compartiment haut, je vais pouvoir appliquer ce premier bonus qui est deux petites fusées à cocher dans notre compte à rebours en bas. On commence par la ligne du bas, on remplit la ligne du bas, puis on va monter de ligne en ligne comme ça. Et quand on arrivera à avoir tout numéroté jusqu'au niveau 150 et qu'on aura en plus coché toutes nos erreurs système actives, elles sont actives quand elles sont entourées, on verra comment on les entoure. Dans ce cas-là, hop, on passe à l'étape suivante, comme vous voyez, c'est une petite fusée qui décolle, et ben on décolle. Voilà. Et on gagne immédiatement la partie quand on décolle. Si jamais on finit avec une des 3 autres possibilités de fin de partie, là, on pourra compter les points pour savoir qui a gagné. Mais sinon, celui ou celle qui gagne, c'est celui ou celle qui a décollé. Et en cas, s'il y en a plusieurs qui décollent au même tour, on va départager les gens avec les petites fusées qui sont à côté du score final. Celui qui aura coché le plus de fusées comme ça sera le vrai gagnant de l'aventure. Alors, dans un mode normal, on compterait les points. Dans le mode campagne, le premier, le gagnant, donc, va recevoir une étoile. Dans le mode campagne, celui ou celle qui a le plus d'étoiles est le capitaine de la campagne. Et c'est lui qui va avoir l'insigne privilège de lire le livret de campagne et de faire les choix, de choisir parmi ce qu'il lui est proposé comme alternative. Alors, quand on est sympa, on écoute ses petits camarades et on les laisse choisir à la majorité. Et c'est ce qu'on va faire dans ces lives, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir. Qu'est-ce qu'on prend comme alternative chaque fois qu'on va aller dans le livret de campagne. C'est ça. Donc vous voterez pour l'alternative A ou B ou C, et puis on fera ce que vous voulez faire. Il me reste à vous parler des bonus, des autres bonus qu'on a quand on valide un compartiment. Par exemple, là, on avait validé le premier bonus qui nous donnait 2 petites fusées à cocher sur le compte à rebours. Le deuxième, c'est du sabotage.
Le sabotage, c'est ce qui va nous permettre de faire entourer aux autres joueurs des erreurs système. Donc si moi je déclenche le sabotage bleu, vous, chez vous, sur vos feuilles, et Adeline aussi, va devoir cocher ce sabotage parce qu'elle ne pourra plus le déclencher, et en plus entourer une erreur système parce que j'ai saboté sa fusée. Et comme vous le voyez, l'erreur système, si elle n'est pas résolue avant la fin de la partie, comme ça, eh ben, elle va vous faire 5 points en moins sur votre score final. Ça, c'est si personne n'arrive à décoller. Ça, c'est si personne n'arrive à décoller. Et en plus, pour décoller, il faudra que vous ayez coché toutes vos petites fusées de toutes les lignes, là, plus toutes les erreurs système entourées. Et les erreurs système, pour pouvoir les cocher, comme ça, ben, il faut d'abord avoir coché toutes vos lignes de petites fusées. Donc c'est que ce n'est qu'à la fin que vous pourrez les valider. Donc en fait, ça va retarder votre décollage, vu que ça vous rajoute des fusées à cocher. C'est totalement du chacun pour soi, en fait. Hein. C'est, on est d'accord. C'est pas du tout coopératif. Je n'ai jamais fait qu'un seul jeu coopératif. Et encore, il y avait une version coopérative, c'était Yes. Mais... moi, je préfère taper sur la tête des gens. Je vais me faire taper dessus, alors. Donc, c'est ça, je vais te taper dessus. Voilà pour le deuxième bonus. Il y a, il y a deux autres bonus. Il y a la croix. Donc, ben, par exemple, si j'avais rempli le premier compartiment du premier étage des robots, je peux valider la croix. Et la croix va me permettre, ben, tout simplement, de mettre une croix. Donc un X, où je veux, dans une case vide, de ma fusée, donc, ce qui va me permettre de remplir plus facilement des compartiments et d'accélérer la partie. Il y a aussi un bonus avec une petite flèche noire qui va nous permettre de noircir une petite flèche blanche. Et les petites flèches blanches, comme vous voyez par exemple dans le deuxième compartiment de l'étage de l'eau, vont nous permettre d'activer des fusées inactives. Quand elle est blanche, ben les trois fusées qui sont pointées par cette petite flèche sont inactives. Quand je la noircis, je les active. Et donc, quand je remplirai ce compartiment... On aura six fusées. Oui. On aura six fusées au lieu de trois. Donc, je pourrais cocher dans mon compte à rebours. Ce qui peut aller vraiment très voilà. Très vite. Ce qui peut aller très très vite, parce que forcément, si avec une croix, tu remplis un compartiment qui te redonne une croix qui va remplir un autre compartiment, tu peux remplir comme ça à la suite tout un tas de compartiments. Par contre, pour cette petite fusée, ça ne sert à rien de noircir cette petite flèche blanche. Ça ne sert à rien de noircir une flèche blanche sur un compartiment qui est déjà complet. C'est trop tard, il fallait le faire avant. Voilà, je vous ai dit tous les bonus qu'il pouvait y avoir. On a aussi, bien sûr, des missions. Là, on vous a tiré trois missions, mais en fait, c'est la campagne qui va nous dire quelle mission on va tirer. On n'a pas lu encore. On va d'abord lire les missions, et après, je vous les expliquerai, mais je peux vous expliquer le principe déjà. C'est que ces missions, contrairement à Welcome de base et contrairement aux autres aventures, ne vous donnent pas des points, mais vont vous donner des petites fusées à cocher dans votre compte à rebours. Voilà, donc vous accélérez la partie aussi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas si tu as dit que les bonus, on était obligé de les faire au moment exact où on remplit le compartiment. Ah oui, c'était sous-entendu dans les propos, mais tu as raison. On ne les utilise que quand on a rempli un compartiment, et à ce moment-là, ni avant, ni après. Il faut que le compartiment soit totalement numéroté, et c'est à ce moment-là qu'on les fait tous. Voilà. Donc je vais les décocher, sinon oui, on triche pas, Adeline va dire que je triche. Voilà. Et puis je vais aussi... Je veux pas effacer mon Blue Dog... Donc je vais effacer mes jolis traits. Alors tout à l'heure, je n'ai pas lu le texte du livret de campagne, mais juste la présentation de l'aventure 1. Voulez-vous la lecture du livret de campagne ? La question est là.
Ben, n'hésitez pas. On peut. Je pense que bon là c'est la toute première donc on se permet des libertés, mais je pense qu'on vous le lira parce que ben, on a quand même essayé de faire un effort Oui, narratif. Franck dit Donc oui. Alors juste pour Franck, au moins allez. pour Franck. Voilà, au moins pour Franck, on va faire ça. Alors, c'est parti. L'Alliance humaine vous envoie ce message. La Terre est menacée de destruction totale. Depuis plusieurs années, nous observons une augmentation de chutes d'astéroïdes sur notre planète. Et depuis plusieurs semaines, nous voyons approcher des astéroïdes qui mettent en danger notre planète et notre existence. Si nous ne faisons rien maintenant, l'avenir de l'humanité s'assombrira définitivement. Mais il nous reste une chance. Nos scientifiques ont prévu que la Lune sera épargnée par le cataclysme. Notre technologie est prête pour installer l'humanité sur la Lune. Après des années de sélection, vous avez toutes les connaissances pour construire notre avenir sur la Lune et sauver l'humanité. Nous avons confiance en vos capacités. Il est temps de prendre vos responsabilités et de mener à bien la conquête de la Lune. Vous faites partie de l'équipe missionnée par l'Alliance humaine, l'organisation internationale constituée pour gérer la crise et dont le but est de sauver l'humanité à tout prix. Le principe de cette équipe est de mettre en compétition chacun et chacune de vous à chaque étape. Cette émulation vous permettra de donner le meilleur de vous-même dans ce projet commun. La première étape est simple, vous devrez préparer les fusées nécessaires avant de partir aménager la Lune pour une colonisation durable. Le capitaine Takei, ici présent, a été désigné pour vous diriger entre chaque étape. Son dynamisme et sa détermination, combinés à sa formation rigoureuse et sa saine ambition, nous donnent toute l'assurance nécessaire quant à la réussite de cette mission. Il va maintenant vous donner vos premières instructions. Ah. Donc déjà les gens, est-ce que Takei, ça vous dit quelque chose? Parce qu'on a truffé ça de références Ah, bah moi je ne sais pas. diverses et variées à la pop culture. Mais je te condamne à regarder je pense, 6 premiers films de Star Trek et à me fournir la réponse après. D'accord. Voilà. Donc référence à Les autres, Star ils savent sur Trek. le chat ou pas du tout? Takei, ça vous parle? Eh ben je sais pas, ils sont Non. pas bavards sur le chat. Ils sont pas trop bavards sur le chat. Ouais. N'hésitez pas, hein. Nous interagissons ensemble. Exactement. Surtout que là, on va vous demander de voter. Georges. Georges, tout à fait, Georges Takei. Alors, Franck, tu es viré, toi aussi. Ah, je suis virée Voilà. donc. Et SQ aussi, Ah, bah, je me c'est sens mal. Il moins faut sale, regarder Star merci. Trek. Star Trek, c'est la vie. Bon, il y a que Dage qui est avec moi alors. Dage 716. Ah. Oh, mais Kiara, mais c'est pas vrai. Mais franchement. Donc, eh ben, pour tous ces gens qui n'ont pas regardé plusieurs fois, comme moi, Star Trek. Alors, ça, c'est une autre question assez vaste. Quelle saison de Star Trek on préfère? C'est un gros débat. Takei, c'est le George Takei, c'est le nom de l'acteur qui joue Sulu, le navigateur, si je ne m'abuse, de l'Enterprise, aux côtés de Kirk, qui est donc ben, des acteurs principaux de la toute première série, quoi. Et première série qui avait à l'époque. Qui était très. Qui prenait la diversité beaucoup. D'ailleurs, c'est la base de Star Trek. Hein. Star Trek, c'est. On évolue tous ensemble grâce et malgré nos différences. Et donc, bah, ils avaient mis un acteur d'origine asiatique, une acteur noire, même si elle. Le côté féministe n'était pas encore très développé, donc il l'avait mis en petite tenue et voilà, mais quand même. Et à l'époque, Star Trek, c'est les années 70, hein, donc c'est vraiment une autre époque. Donc c'était un pas en avant, un pas faible, mais un pas quand même. Et Georges Takei. Était ben, un des représentants
De cette diversité, de par ses origines et de par sa sexualité aussi d'ailleurs, et donc c'était un pas en avant. C'était pas rien pour l'époque. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Okay. Fin de la petite parenthèse. Maintenant, place au choix. Que va-t-on faire ? Alors, le capitaine, je suis capitaine ou tu es capitaine ? Ah, tu es capitaine. Sois donc le capitaine Takei. Oui. Alors, mesdames, messieurs, nous n'avons plus le choix. L'humanité nous regarde. Nous devons réussir cette première mission ou notre espèce disparaîtra. L'Alliance humaine m'a choisi pour être votre capitaine pour cette première mission ainsi que les suivantes. Et... Ah oui, c'est vrai, le service marketing préfère le terme aventure. Bref, comme je le disais, je serai votre capitaine. Et pour cette première aventure de notre campagne, pour la conquête de la Lune, je compte bien être à la hauteur de la tâche. Rappelez-vous, nous avons le même but. Si nous sommes en compétition, ce n'est pas seulement pour la gloire, mais aussi pour sauver l'humanité. Préparons nos fusées. Pour notre réussite, je dois faire un choix difficile. Donc, soit je privilégie les ressources vitales et humaines, soit je privilégie l'automatisation et l'énergie. Que voulez-vous choisir ? Donc, A, les ressources vitales ou humaines, B, l'automatisation et l'énergie. Allez-y, votez dans le chat, A ou B. Ça fait très... qui veut gagner des millions et faites, ouais, faites voter le public. Ouais, c'est ça. L'avis du public. Ah, l'automatisation et l'énergie, ah si quand même. Ah, 2. On a 3 A. Ah non, beaucoup plus de A, beaucoup plus de 6 A. 6 A. Manifestement. SQ et Adeline sont en minorité, manifestement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a qui n'ont pas voté, mais peut-être que ça lag un peu chez certains aussi. Hein. Ouais. On peut attendre quelques secondes. 6 à 2. Et à moins qu'il y ait beaucoup de gens qui soudain votent B, je pense que c'est... Pour l'instant, le A. Ouais. Donc, dans le livret, eh bien, quand on choisit une des deux options, on doit aller voir un chapitre particulier. Là, je dois aller voir le chapitre 154. À moins que vous ne changiez d'avis dans le chat. Non, ça a l'air... Ça a l'air un peu définitif. Alors, donc, puisque nous avons choisi de privilégier les ressources vitales et humaines, nous allons, pour préparer notre voyage sur la Lune, j'estime que nous devons embarquer autant de ressources que possible. Donc, nos ordres de mission, donc nous avons la carte 64, 67 et 69. Alors, on avait déjà la 64, la 69, il faut que je la cherche, la 67... Elle est où la 67 ? Elle doit être... c'est la B. Ah ben c'est celle-là. Tout donc n'hésitez pas sur le chat à nous poser des questions si besoin. On va pouvoir commencer si une fois que les cartes seront changées. Mais est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez votre feuille devant vous, un crayon ? Je n'arrive pas à faire ce que je veux comme je veux. Voilà, qui va être mieux. Et voilà. Alors. Donc. J'aime pas les erreurs système. Moi non plus. Chiara, elle nous fait l'astronaute grincheux. J'aime pas. Alors, ben, je vais vous expliquer ces trois missions. Donc la première, il faut avoir totalement rempli les trois étages du haut, les deux étages astronautes et l'étage haut. Et ceux qui le font dans ce tour-là gagneront trois petites fusées, et ceux qui le feront plus tard gagneront que deux petites fusées. Le deuxième objectif, c'est l'inverse, il faut remplir les deux derniers étages, donc l'étage plante et l'étage joker. Et pareil, on gagne 3 et 2. Et le dernier... le 69, il faut avoir eu 5 erreurs système actives. Donc ça, on le subit plus qu'on le réalise. C'est-à-dire qu'on va subir 5 erreurs système. Et quand même, comme on est gentil, si on les subit, on aura 3 petites fusées. Donc ça compensera un peu le fait d'en avoir subi 5. Donc finalement, les erreurs système deviennent...
moins graves que ce qu'elles étaient. Mais c'est stressant. Oh, Surtout si elles sont pas faites au début de la partie, je trouve. Ah ben ouais, ça peut dépendre, mais là, comme de toute façon, oui, avec le chat, on aura un peu moins d'interaction parce qu'on va pas pouvoir valider vos choix à vous. Ben c'est nous qui déclencherons les erreurs système. Et pareil pour les fins de partie et tout ça. Donc vous nous suivrez, mais vous ne déclencherez Oui, pas c'est ça. Là, du coup, vous pouvez moins chose pour jouer nous. avec nous que pour le welcome classique. Ouais, on réfléchit à mettre un truc pour des grands groupes, mais on l'a pas fait encore, donc voilà. C'était un jeu de On va 2 à faire 6 comme pour nous. joueurs. Voilà, c'est ça, de 1 même, hein, si je vois. Oui, c'est vrai. Il y a un mode solo qu'a fait Alexis, qui est très très bien aussi, et qui se joue en campagne aussi. Que je n'ai pas testé encore. Ben, on va pouvoir démarrer, donc on a un 6, un 8, un 14 énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui se sent motivé pour noter les tirages? Ou ben sinon j'essaie de le faire. Mais c'est toujours bien s'il y a quelqu'un qui le fait à ma place parce que je suis un grand feignant. Moi je veux bien, sinon ça va aller. Ah bon, ben alors si tu Ouais. maîtrises. C'est En fait, je vais parti! faire les couleurs. Si, si. On peut là, comme c'est les couleurs. Oui, si tu veux, Non, t'as oui. raison, énergie c'est mieux. Voilà. Thématique quand même. Je vais le faire compter. Ah, ben Franck qui dit qu'il peut le faire. Ben, c'est cool, merci Ah Franck. bah écoute, si t'es motivé. Donc, tour J'ai fait le 1. premier, mais... Voilà, aventure Alors, 1, tour l'eau. 1. Nous avons donc de l'énergie. De l'énergie. Bah écoute, voilà. Hein. Ouais, on a un peu tous fait pareil, j'ai l'impression. Bah, comme c'était assez simple, je suppose qu'on passe au tour Ouais. suivant. Enfin, je propose qu'on passe. Allez. Donc on a un 15 robot, un 9 astronautes et un 10 plantes. Et merci beaucoup, Franck. Ouais, merci Franck. Alors, allez. On n'est pas parti pour faire les objectifs trop, mais. Moi, je suis partie sur l'autre ligne. Ouais, ça tu veux. Tu veux faire Bah pourquoi pas, des hein. sabotages? C'est vrai que ça va aller plus vite, peut-être. Mais il faut attendre un peu que les gens jouent, mais. Pourquoi j'ai un 42 là? Ça va pas du tout. Mais 14, c'est mieux. T'avais 42? Oui, je sais pas pourquoi. Allez, 5 robots, 1 et 7 Hop. plantes. C'est fait. Donc par contre, ça change un petit peu, je trouve, du coup, les cartes actions ne sont pas aussi fréquentes les unes que les autres. Ben, c'était pas le cas dans Welcome non plus, hein. C'est vrai? Il y en avait. Ouais, il y a toujours. Alors bon, là, il se trouve qu'il y a moins d'actions, en fait. Enfin non, il y a 6 actions, pardon. Donc il y a autant d'actions, mais il y en a 3 qui sont 2 fois plus Oui, c'est ça. fréquentes, ou au contraire, 2 fois plus rares que les autres. Et dans Welcome, c'était le cas Ah oui, aussi. d'accord. Et bah écoute, ça m'avait pas marqué Voilà. autant que Ben là. voilà. Donc je le précise, les cartes C'est ça. robots, énergie et plantes sont 2 fois plus fréquentes que les autres. Et sinon, les cartes vaisseaux sont numérotées de 1 à 15. Oui.
avec une répartition un peu différente de cette double com, mais c'est la même courbe en cloche. Il y a très peu de 1, très peu de 15. Ah, ça ne fait... A reçu la boîte, mais ne l'a pas ouverte. Oui, qui est arrivé en Belgique, tout à fait. Ah oui. Tu veux pas te spoiler. Ben écoute, voilà, ne te spoile pas. Mais en tout cas, oui, je comprends. Mais après, on fait pas de grandes Dès que tu reviens. révélations là, hein. Oui, c'est quand même la partie Ouais. d'initiation. C'est la campagne d'initiation, donc ça vous révèle pas grand-chose, et notamment, vous n'aurez accès à aucune des 110 cartes campagne qui sont dans la boîte. Et je n'ai pas du tout, si, Tu as joué, tu j'ai as joué. marqué. J'ai joué. Ça y est. Alors, 10 et 8 Allez. robots et 12 roues. Allez, je suis parti sur les robots, moi. Allez. Je sais pas trop. J'aimerais bien. Oui, ça te permettra d'apprendre les règles de la feuille 1 sans souci. Après, comme on va probablement enchaîner avec la feuille 2, là, ça te spoilera un peu plus. Mais pas tant non Oui. plus, hein, mais. Si tu veux, tu coupes à la moitié. Voilà. On a fini, tu t'en vas. Mais tu peux rester. Oui. Est-ce que je change? Oui, allez. Allez. 5 robots, 9 eaux, 7 plantes. Ah. C'est un problème. Mais pourquoi? Alors, la version solo, c'est la version solo de Alexis. d'Alexis qui est proche, qui avait fait la même avec en fait des IA contre lesquels tu joues. Donc oui, il y a quand même des différences. Il y a autant de différences entre la version solo et la version multi pour Moon que pour il y en avait pour Welcome. Voilà, je sais pas comment le dire mieux. Oui. Bah, c'est le même principe. Ouais. Moi, j'ai pas encore testé. Mais je teste d'ici le prochain live. Pour vous en dire plus. Alors, tour suivant. 8 et 11 énergie et 3 eau. Allez. Exactement, Prunella, ouais, c'est ça. En sachant qu'en fait, tu as comme dans la version de Solo Welcome, des gens que tu affrontes qui ont un niveau de plus en plus fort. Et il y a une deuxième carte qui, elle, est liée à l'aventure, qui va compléter la carte solo du personnage. Et voilà. Et la version solo se joue en campagne aussi. Ça, c'est chouette. Mais moi, je vois, j'ai peur de me spoiler la campagne que je fais avec un groupe de trois. Ah, c'est possible, ouais. Du coup, j'hésite. Et voilà, ça c'est possible, oui. Alors, 1 plante, 9 planning et 4 robots. Mais non, c'est nul ça. Bah non, c'est bien. J'ai déjà pris le 1 plante, moi. Vrai que j'ai pas mis Pas le 1, du moi. tout. Je devrais peut-être. Allez. Du coup, je vais le mettre dans l'étage Joker, parce que je vous rappelle qu'à chaque tour, vous pouvez choisir de le mettre dans l'étage qui correspond à l'action, enfin dans le ou les étages qui correspondent à l'action, mais aussi à votre choix dans l'étage Joker.
Alors, c'est toujours dangereux, hein. Si vous remplissez trop vite votre attache joker, ben, vous aurez plus de sauvegarde. Mais l'étage joker est composé de petits compartiments de deux cases qui vont vous déclencher des bonus plus vite aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est assez traître ça d'ailleurs quand on n'y fait pas trop attention. Mais que les Et autres, oui. oui. Et c'est ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi je me suis précipitée à remplir cette ligne, parce que ça va te faire des... Ça va Eh t'avantager ben toi, mais oui. pas moi du tout. Va m'avantager moi, ça va me faire plus de fusils à cocher. Hein. Eh ben oui, mais... Effectivement, si un jour il y en a cinq, bon voilà, mais Si tu veux faire non cet plus. objectif, c'est toi que j'avantage. C'est vrai. Mais d'un autre côté, je suis. Tous les deux d'ailleurs, on n'est pas partis pour faire le premier objectif. Hein. Non. On n'a mis aucun numéro dans les trois premiers C'est vrai pour étages. l'instant, ouais. Et dans les deux derniers, on n'est pas non plus. Enfin, j'ai un peu d'avance sur toi, mais c'est pas. On a fait que les étages qui correspondent pas à des objectifs. Franchement, on est Ah mauvais, quoi. ouais. 2 et 9 énergie et 8 plantes. Ah, ça c'est pas mal, Ouais, c'est ça. bien ça. Donc est-ce que je prends le 9 ou est-ce que je prends le 2? Ou le 8, d'ailleurs. Ouais, tout me va. Allez, on va prendre le 9 pour montrer comment on remplit un Ouais. compartiment. Donc là, j'ai rempli le dernier compartiment de l'énergie. Je vais donc pouvoir appliquer les bonus. Donc le premier bonus, c'est deux petites fusées. Hop, je coche les deux premières fusées de la première ligne. Le deuxième bonus, c'est de cocher une flèche blanche. Je vais cocher celle-là. Donc maintenant, les fusées qui sont pointées par cette flèche passent du statut inactif à actif. Donc quand je remplirai le compartiment, ben, ce n'est pas deux fusées que je cocherai, c'est quatre. Et enfin, je peux faire une croix. Une croix qui est peut-être pas débile à faire là. Du coup, je fais une croix majuscule même, parce que je suis pas comme ça, moi. Du coup, ben, je finis un autre compartiment. Donc, je coche trois petites fusées. Du coup, j'ai au moins 15 points, si jamais ça se finit là. Et puis, j'ai une autre croix. Bah, du coup, je vais me mettre là. Ça suffit, ça va là. J'ai un autre compartiment. Du coup, je vais recocher deux fusées. Ah oui, pas celle-là, celle-là. Et une autre croix. Là là. Ah bah, du coup, je vais le mettre là. C'est une catastrophe. Je sens Et que je vais perdre je vais déjà. cocher quatre fusées. Ben voilà! Pourquoi tu commences pas à décoller? C'est ça le but, qu'il faut décoller, tu sais. Bon, Voilà. ok. 15 robots, Et 9 voilà, au final, énergie. elle a fait pareil. Elle a tout compris. Et 14 planning. 15 robots, ah ouais, ça c'est un peu bête. Bon, bah, du coup, on va mettre là. Ça met la pression. Oui, c'était une belle combo, effectivement. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir des grosses accélérations dans cette Ouais, feuille, c'est affreux ça. et qui est quand même essentiellement une course hein, au décollage. C'est très stressant. Yeah. Regardez, elle est toute stressée, notre capitaine Takei. Je me sens plus trop capitaine là. Hein. Je voudrais pas dire, mais. Ah, puis moi, je suis. En plus, j'ai un peu de problème à occulter le fait que les plannings, ça peut être utilisé. C'est pas forcément négatif. Et oui, bah dans toutes les feuilles, là, les plannings sont quasiment assez rarement négatifs. Il y a quelques Ouais. feuilles où c'est un peu négatif, mais en majorité, c'est plutôt positif. Ouais. Ça, c'est perturbant. Quand tu t'es formaté le cerveau pour dire Ah ben bah, c'était le but. On attention. voulait aussi que les gens qui soient formatés welcome, on leur perturbe un peu leurs Ouais. habitudes. Sinon, c'est pas cool. Ça a très bien marché, écoute. Alors, 4 énergies, 7 et 3 robots. Alors, 4 énergies, c'est peut-être. Oh non, 7 robots, c'est pas mal ça. Allez hop, Et puis là, pour ou l'instant, les 3. astronautes ne nous servent pas, tels qu'ils pourront nous servir plus tard, mais...
On a toujours l'option Oui. où on peut augmenter et diminuer de plus ou moins 1, plus ou moins 2. Ah ben sur les C'est autres ça. feuilles, du coup. Ouais. Oui, parce que là, on a vraiment voulu faire une première aventure assez simple, mais intéressante quand même. Donc, ben, le moyen le plus efficace, c'était de pas avoir à gérer les actions. Dès la deuxième feuille, les actions seront gérées. Mais la deuxième feuille reste accessible aussi. Elle est plus difficile à jouer, mais pas plus difficile à apprendre. Oui, c'est clair. Et par contre, elle perturbe au niveau du jeu parce que ben, vous Oui, verrez. on va voir ça après. Et je n'ai pas coché mes bonus quand je les ai Ah. faits. C'est mal, ça. Alors, on a un 6 énergie, 13 plantes et 9 eau. Ah ah! Votre plante. Moi, je suis partie sur l'énergie là. Il était parti pour me coller plein de sabotages, je le Mais vois. oui. Tu vas remplir l'objectif. Ça. Sept fusées d'un coup. Ouais, c'est pas mal, Franck. Ouais, c'est bien. Bah, tu vois, moi, j'en ai aucune. Donc, C'est peu. c'est vraiment C'est nul. peu. Je m'éparpille un peu trop, c'est ça le problème. Alors, 5 robots, 10 eaux et 5 plantes. Cinq robots, mais c'est parfait, ça. Oh là 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 Ouais, là cinq là. plantes, c'est bien. Rien ne va Cinq plus. robots ou cinq plantes? Cinq robots, allez. Du coup, je finis ce compartiment. Donc, je vais noircir ça. Et je vais mettre une croix. Ben là. Non, là. Là. Voilà. Du Première erreur coup, système. voilà. Donc là. Il y a une erreur système verte qui est déclenchée. Donc vous pouvez tous cocher cette erreur et entourer une erreur système. Ah oui, les gens font, tu Voilà. penses? Ah ben oui, c'est comme vous voulez, mais si vous voulez suivre un peu avec nous, vous pouvez quand même faire pareil. Puis j'ai une autre croix à Oui, c'est mettre. vrai, ils jouent comme si on jouait, comme s'ils jouaient à 3, en fait. Avec nous. Ouais, ça pourrait être ça, ouais. Sauf que Enfin eux, par bon. contre, ils disent pas. Oui. Ouais. Où c'est que je mets cette croix? Je ne sais que faire. On ne sait que choisir. On va la mettre là. Va faire de l'eau un peu. C'est bon. Voilà. Tu viens de la déclencher en même temps, donc du coup, Franck, tu ne dois pas la cocher. Tous ceux qui la déclenchent au même tour, le sabotage, ne sont pas concernés par lui. Alors, nous avons un 3 et 10 énergie et un 7 robot. 3 énergie, c'est bien ça. Ou pas. Allez, je suis un fou dans ma tête. Je vais exploser en vol, moi, mais je vais me cramer toute ma ligne bonus. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux mettre un... Tu peux mettre... On est d'accord que tu peux mettre un 6, par exemple, une croix après, et un 7. Oui, ben c'est ce que j'ai fait moi. Ah oui, non, j'ai pas fait là, mais j'aurais pu mettre au lieu de mon 3 là T'aurais pu mettre un 2. dans l'étage bonus, j'aurais pu mettre Ouais. un 2, par exemple. Effectivement. Tout à fait. Et ce, quel que soit le nombre de croix.
30. 30 déjà? Oula! Ah ben non, moi aussi je suis à 30. On se calme, moi je suis à 0. Hein. Oh. 10 plantes, c'est pas mal ça, 10 plantes. Donc là on a 12 astronautes, ou, 6 planning, 12... 10 plantes. Oui. Ouais, mais 10, je le mets où? 8, 9, c'est plus courant quand même, on va le mettre là, le 10. Allez, je suis parti avec les astronautes. Yeah. Je vais essayer de me rattraper. Ça craint, là. Bah, déjà, je sens que je vais bientôt avoir des sabotages robots. Oui, ça serait bien. Mais j'aimerais bien faire une petite flèche aussi pour les énergies. Comment? Mais tu as accouché de deux fusées! Mais oui. C'est énorme. C'est la catastrophe. Pas du tout. Alors, 8 énergies, 6 plantes et 10 astronautes. Six plantes, bah c'est parfait ça, 6 plantes. Non, arrête un peu, ça suffit là. Du coup, deux petites fusées, je suis maintenant à 45. Et puis, une flèche à noircir. Et donc, comme j'ai commencé ça, on va noircir celle-là. Allez, il me faut de l'eau. Voilà de l'eau. 11 astronautes, 12 planning et 11 eaux. 11 eaux, c'est un peu bas, mais je vais le prendre quand même. Hein. Oh mon Dieu, tu vas ouvrir l'étage bonus? Oui. Mais... 60 pour oh là Franck. Là, Franck mais est en train de arrêtez! mettre la pâtée. Je vais monter d'un coup, vous allez voir. Voilà. On va dire ça. Hein. Est-ce que ça va au niveau du tirage? Ça va pas trop vite? Je ne sais pas trop. Oui, dites-nous hein, s'il faut qu'on ralentisse. On si peut, ça hein, va si... pas assez vite aussi. Voilà, si on est trop lent ou trop rapide, dites-nous. Allez, je continue. 13 énergies, 12 astronautes, 7 plantes. Ah, enfin. 13. C'est nul. Totalement nul. Moi, ça me va très bien. Bon, on va quand même faire ça. Qu'est-ce qu'on va noircir comme chose? On va noircir celle-là. Oui. Puis on va mettre une croix quelque part. On va mettre une croix là. Ça fait longtemps que j'avais pas coché des petites fusées. Six petites fusées en plus pour passer à 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça y est, je suis partie là. Alors, tu as les oh oui, t'as 15. Deux erreurs système de l'énergie. Oh là 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 là. Je fais mes 8 petites fusées. Oh là 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 là. Tu as 60. Ouf. Ouais, tu me rattrapes. Ça fait du bien, dis donc. Ah, tu m'étonnes. J'avais l'impression que je devais faire plus de croix que ça. Bah, tu peux les recompter. Là, t'en as deux. Là, non. J'en ai mis une là-haut. Mais... non, ça doit être bon, en fait. 10, 10, 12... 12, 15. Donc 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est okay. Ça.
Ah, ça va un peu On est mieux. Je peux parti. barrer mon erreur système. Oui, tout à fait. Ah oui, est-ce qu'on doit? Non. Est-ce On qu'on n'est pas doit forcément quoi? obligé de rayer l'erreur système. Ah, tu ne peux pas. Tu ne peux les rayer que quand tu as rayé toutes les autres. C'est un point qu'on a un peu corrigé dans la règle parce que c'était un peu Ah, j'ai pas ambigu. compris ça. Et en fait, ouais, les erreurs système, là, tu ne peux les rayer C'est quand tu... que quand tu as rayé toutes les lignes. Ah, c'est pas quand tu remplis une ligne? Et ouais, c'était ambigu dans la règle, donc on l'a changé et dans les prochains prints, ce sera corrigé. Mais effectivement, la règle porte à ambiguïté. Le ensuite, on ne sait pas trop si c'est ensuite quand tu as fini la ligne ou quand tu as fini toutes les lignes. Et en fait, c'est quand tu as fini toutes les lignes. Mais si t'as 5 erreurs système, tu rayes toutes tes erreurs système si t'arrives à 135 en gros, c'est ça? En 135, tu commences à les rayer, ouais. Tu commences. Tu les rayes avec des erreurs actives. Ben oui, si tu as 5 fusées actives, ben, tu vas en rayer 5, mais si tu n'en as que 3, tu vas en rayer que 3. Tu les rayes avec des fusées actives, donc avec des bonus fusées actives. Oh bah j'ai pas compris. Non? Ben, tes erreurs système, c'est des fusées comme les autres du compte à rebours. D'accord? Donc tu les rayes comme tu rayes ben, les fusées des lignes, là, avec des bonus fusées actives. On est Ah d'accord? non, je n'avais pas compris ça. Ok. D'accord. Bon, mais alors, si, c'est ça. Ok. Et voilà, quand tu auras rayé toutes les lignes de ton compte à rebours, tu pourras commencer à rayer les erreurs système, les fusées des erreurs système. Ok. Du Eh coup. ben, on va voir ça du coup. Alors, on joue complète de Va? manière, du coup, pas du tout de la bonne manière. Ben, c'était notre petit bug ouais, dans la règle. C'est quasiment le seul. Après les autres, plus ou moins bien écrit, Ok. mais c'est toujours Bah difficile. oui, je comprends bien. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les autres aventures ou même sur Moon en général ou sur la vie, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à les poser. Je suis là aussi pour ça. Alors, on a un 4 astronautes, 8 planning et 4 robots. C'est nul. Ce que tu fais, c'est nul. Ah, remarque, ça en fait 6 quand même. Allez, je suis un fou dans ma tête. Allez, je suis un fou dans ma tête. Donc, on va prendre ce 4. Ce 4. On va le mettre là. Du coup, deux fusées. Une croix qui va me donner ah qui va me donner quatre fusées ou ouais non juste ça 90 Franck me colle au basque. Pas moi, mais toi oui. Kira, t'as pas compris du Non, coup? mais on joue Si, ensemble en fait, donc t'avais pas compris avant. Ben, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les erreurs système que tu as activées, tu ne pourras les cocher que quand tu auras coché toutes les lignes de ton compte à rebours. Quand tu seras arrivé à 150, quoi, là, tu pourras commencer à cocher tes erreurs système. Voilà. comme une fusée, enfin une erreur système égale une fusée. Exactement. Le 5 étant là juste pour dire que c'est un malus de 5 points. Ok. Alors que nous, en fait, on arrivait au bout de la ligne. Enfin, si on rayait par exemple à moi, il me reste à la ligne 60, là. Je dessinais trois fusées. Et quand je rayais le 60, j'enlevais une erreur système. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que tu... Ouais, mais c'est. Rien à voir. Oh, Franck, t'as une fusée d'avance sur moi! Mon Dieu! Mais du coup, Kara, non, ce n'est pas fini quand Quand on t'arrives arrive à à 150. 150, ben, c'est pas fini parce qu'il faut que tu rayes tes erreurs système actives. Oui. Ce n'est fini que quand tu es arrivé à 150 et que tu as rayé toutes tes erreurs système.
Mais ça va s'éclairer très vite pour toi, parce que ben, on va le faire, là. Donc, tu vas pouvoir voir comment ça marche d'entrée. Alors, 13 planning, 11 plantes et 5 astronautes. C'est encore une fois très très nul ce que tu fais. Tu le sais, Non, ça. moi, ça me va. J'ai un fou dans ma tête. Je devrais pas faire J'ai l'impression que ça ça. va se finir dans 2 tours là. Je suis toujours à 60. Non, non, allez, allez. Je calme le jeu. Je prends ce 5 astronautes. En vrai, tu pourrais finir beaucoup plus vite en fait. Ben, en fait, j'ai hésité à mettre ce 5 dans l'étage bonus. Mais si jamais ça se finit pas pile poil, après je n'ai plus du tout de cases dans le bonus et ça peut mal se passer. Ouais. C'est arrivé à d'autres. Il y en a qui ont essayé et ça s'est pas bien fini. Moi, j'ai pas de robot pour finir ma ligne de robot, ça m'ennuie. Ah, ouais, je sens bien que ça va arriver tôt ou tard. Huit. Déjà dans les prochaines. Huit planning, Ah non, six robots, deux plantes. Ah ben non, ce sera pas ce coup-ci. Et ça, c'est bien pourri ce que tu as tiré quand même. Hein. Bon, ben, on va prendre ceci, ça. Finalement, on va le Ça, on faire. enlève ça. Je change. Ouh, prenez, elle est à 105. Oh là là. Vous faites monter la pression là? Toi aussi, tu remontes là. Ah oui, ça fait tout seul. Magnifique. Ah non. Oui. Ça a Je sais bugué? pas. Faut que je Non, rappuie peut-être. non, non. Non, non, non. Attends. Je vais aller voir ce qui se passe. Oui, il doit falloir que tu rappuies, c'est un petit bug manifestement. Donc ça remélange du coup. Ça remélange, ouais. Donc 10 plantes, 5 plannings et 8 énergies. Ah, pourquoi j'ai pas un 8 ou un 9 plantes? Énergie, c'est bien. Ouais, 8 énergies, on va le prendre aussi. Parce que là, ça me ferait que 6. Pas 8, ça suffirait pas non plus, et je serais quand même bien embêté, donc il m'en faut quand même pas plus. Ah, vous êtes plusieurs à 105 là. Bah oui, mais 3 erreurs système, bah oui. Allez. 10 énergie et 2 11 robots. Ah bah voilà. 2 erreurs système. Aïe aïe. Bon, ce qui m'en fait que 4, ce qui va pas du tout. 10 énergie, c'est nul. 11 robots, c'est nul. Bon, ben on y va. Hein. J'ai rempli ça. Ah si, je peux avoir les bonus de l'objectif 2. Non, je vais Vous attendre. entourez les erreurs quand nous on les obtient, oui. Ouais, tout à fait. Par contre, quand vous vous les obtenez, vous les cochez pas à vous, enfin vous les entourez pas pour vous-même, c'est plutôt négatif. Et oui, et pas pour nous. Ouais. Par contre, moi, je déclenche la bleue. Ah. OK. Donc l'eau. On a Elodie qui est arrivée à... Ah non, c'est pas Elodie, c'est Adeline, 150, mais 3 erreurs système. 150, pardon. Ah, c'est bientôt la fin alors. Il va falloir que. Faut que tu me tires un 8 ou un 9 plantes. Il n'y a pas de Allez. plante. Ah, ça va être dur. Objectif C pour Chiara. Alors... Ah, bah oui. 8 planning, 7 robots, 5 énergies.
Ben on va prendre l'énergie, pour faire Joker, moi. 3. Et... Ah bah oui. Quoi? Pour ça que j'ai ralenti un peu, moi, pour pouvoir gérer mes erreurs système. Mais tout dépend si je tire des plantes ou pas. Et... Ah, il y a une plante dans le prochain. C'est peut-être une chance. Donc deux fusils, une croix. Je réflexionne. Bah oui. Du coup, je fais Ah, tu me rattrapes. l'erreur système de là-haut, de l'orange. Ah, merci. Du coup, je fais l'objectif C, C'est pas faux. qui en donne 3. Donc il ne me reste plus que 4 fusils à cocher. Et c'est bon. Et moi, 3, du coup, c'est ça? Et toi, 3. Ok. Tout va reposer sur cette pauvre plante. C'est parti. Et c'est un 11. Ah non, 10 non! robots, 4 énergies et 11 plantes. Mais en vrai, tu peux Alors en continuer? plus je prends une erreur système en plus. Ah non, le 10 robot je peux le mettre. Oui, mais si j'avais eu un 8 ou un 9 plantes, je finissais. Oui, ok. Et là. Bon, on va mettre ce 10 là, mais. Ah oui, parce qu'une règle que j'ai peut-être pas dit, si je ne peux bien sûr, si je ne peux pas mettre de numéro, je me coche moi-même une erreur système. Ah, Adeline décolle. Adeline décolle. Bravo. Objectif B finit aussi. Oui, en plus, voilà, si j'avais un 8 ou un 9 plantes, je finissais l'objectif B aussi. Je cochais Ah oui, c'est vrai. 7. On C'est la continue, nous? 7. Oui, bon, on va continuer. Mais on dit que Adeline a C'est gagné ça. quand Du coup, j'ai gagné. même. Voilà, quelque part, tu as gagné aussi. Ça. Mais nous, on va continuer pour la gloire, de manière de montrer comment ça se termine en vidéo, quand même. Ah, j'aurais pas dû mettre là. Donc 12 et 12 astronautes et 12 plantes. Que les 12. Ben, encore une fois, c'est pas bien. Moi non plus, ça va pas. Eh oui. Et en plus, il y a plate... Ah si, il y a une plante après, quand même. 8 et 9, c'est quand même pas dur à sortir. 8 ou 9, c'est très probable Bon, il me même. faudrait 8, 9, 10. Ah, 9. Bon, ceci dit, si j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11 astronautes, ça marche aussi. Ben, on a 9 plantes, 2 plannings et 8 énergies. Eh ben voilà. C'est ça qui est beau. On va cocher 4, 1, 2, 3, 4 et 3 de plus pour Ah l'objectif B. oui, j'avais pas pensé à ton objectif. Yeah! Donc, ben voilà, j'ai gagné sur toi, mais pas sur l'autre Adeline. Je n'ai battu qu'une C'est seule ça. Adeline. Décollage pour Aude. Décollage, prenez la main de temps. Eh ben voilà. Donc c'était la première aventure. Voilà. Alors je ne sais pas comment vous avez trouvé ça pour ceux qui ne connaissaient pas. Oui, Mais donnez-nous votre avis. voilà, n'hésitez pas.
Alors, le capitaine n'a pas gagné, malheureusement. Et non. Du coup, Et comme c'est le chat qui décide, voilà. Le chat a une fusée, a une étoile, c'est ça. pardon. Bien sympa, on en redemande. Ah, parfait. Ben ça tombe On va bien, faire parce l'aventure qu'on peut 2. le faire. Exactement. Mais que nous dit ce capitaine Takei d'ailleurs? Alors, capitaine Takei, si vous avez gagné, ce n'est pas le cas, Ben sinon non. je dois lire un petit chapitre. Alors, oh non, enfin, je veux dire, bravo, vous avez été formidable, quelle équipe! Et vous, quel rythme! Être en compétition avec vous, c'est... Je n'ai pas les mots. Formidable! L'Alliance humaine nous remercie pour cette première étape. Nous avons décollé à temps avec tout le nécessaire et notre installation sur la Lune se présente bien. Donc, quand on joue pour de vrai, on a une petite carte capitaine. Donc, Alain devient capitaine. Est-ce que je peux vous montrer elle est là. Va Donc arriver. là, pour l'aventure Voilà. 1, c'est particulier, on gagne une étoile. Sur les autres aventures, on D'accord. pourra gagner plusieurs Plus étoiles. d'étoiles et Ah voilà. voilà, et peut-être pour les pas que pour le premier. Et Elodie, pour répondre à ta question, quand tu as coché toutes les fusées dans le compte à rebours jusqu'à 150, et en plus toutes tes erreurs système, tu continues à cocher les fusées qui sont à côté du score final, mais ça ne sert que... Oui, j'avais oublié de... Chiara de cocher... de cocher les cases de score, mais ça ne sert les petites fusées qui sont à côté du score final qu'à départager les égalités. C'est ce qui nous a départagé entre Adeline et moi, parce qu'elle aussi elle avait décollé, mais elle avait coché qu'une seule fusée et moi j'en avais coché trois. En fait, si tu as encore des bonus fusées actives à utiliser, bah, tu coches ces petites fusées, je mets juste pour départager les égalités. Voilà à quoi ça sert, Elodie. Voilà. Donc, ensuite, on passe à l'aventure 2. Et Exactement. nous avons un nouveau chapitre. Yep. Alors, quitter la Terre était facile. Le voyage jusqu'à la Lune sera une autre paire de manches. Notre trajectoire a été calculée pendant des semaines par des spécialistes. À nous de suivre au mieux les coordonnées et de nous adapter au moindre imprévu. Il ne faudra rien rater, que ce soit les ressources dans les stations spatiales ou le brassage des réservoirs. Tout doit être impeccable pour l'humanité et l'Alliance humaine. Donc, ce que vous allez voir à l'écran, c'est que je suis en train de relancer la partie pour passer sur Ah l'aventure oui, 2. je me demandais, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, c'est moi. Mais il faut que ça charge, donc voilà. Et je vais devoir refaire la présentation. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pas ultra pratique. Et bonne soirée à ceux qui nous quittent là. C'était gentil de passer, en tout cas. N'hésitez pas, donc on se retrouve tous les 15 jours. Ce qui... Exactement. Et la prochaine fois, ce sera pas moi l'invité. Eh oui. Ah oui, on avait dit On a qu'on toujours notre problème s'étalait. d'éclairage aussi. Et ça, je vais le régler. Si j'ai pas trop alors option lightning ou c'est peut-être un peu Ouais, trop c'est un sombre peu là. sombre. On va mettre un peu d'ambiance. Un peu plus jeune.
Clive. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est pas mal là. Là, je n'ai pas assez grossi. Toi, tu as Ouais, plus mais je grossi crois que qu'on peut ça. encore plus, en fait. Ah non, c'est... Attends, attends, attends. Est-ce que encore... Comme ça, c'est bien, je Ça, pense. tu Je me pense dis. que c'est bien. Ah, donc moi, il faut que je baisse un peu parce que j'ai grossi un poil trop. Voilà. Non, mais du coup, si, on peut faire un petit coup. Comme ça, là, c'est bon. Tu peux refaire une fois. Ça marche. J'ai juste Voilà, est-ce qu'on est bien pas du placé tout. ou... Oui, mais je peux, on peut décaler Alors, c'est directement, peut-être peut-être trop gros, du pour. coup, au final, notre histoire. Sinon, je rechange. Ah, j'ai trop décalé là. Attends. Désolé pour ce petit détail technique. Je pense qu'on était un peu plus au milieu. Ah non. Ah, tu as trop décalé. Oula. Je vais changer les cadres hein, parce que sinon ça va être trop compliqué. Oui. C'est peut-être plus simple. Je me dépêche. Si tu veux, tu peux peut-être commencer à expliquer. Oui, je peux peut-être commencer à expliquer la règle. Alors, sur cette deuxième aventure, ben on a décollé, comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais reprendre mon petit crayon. Comme vous pouvez le voir, pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, parce que je n'ai pas loqué la feuille. Si tu veux, tu peux montrer Comme vous sur pouvez ma le feuille voir. plutôt, qui va bientôt être prête. Ah. Ben ouais. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a. Non, ouais, mais elle n'est pas loquée non plus. Oui. Alors, je vais y arriver. Lock. J'ai arrivé à finir cette phrase, vous allez voir, ça va être sympa. Donc là, comme vous voyez, on a décollé. Et il va falloir faire le trajet de la Terre à la Lune. Ceux qui ont déjà joué à Welcome peuvent voir qu'il va y avoir un problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de 15 cases et qu'on a toujours que des numéros de 1 à 15 pour numéroter tout ça, et qui doivent être croissants, bien sûr, hein, de la Terre à la Lune. Donc, il va falloir qu'on sépare cette trajectoire en plusieurs trajectoires. Mais heureusement, on a pour ça l'action énergie. On a déjà, d'ailleurs, déjà une énergie d'entourer au début de la partie. Et chaque fois qu'on utilisera une action énergie, on va pouvoir en entourer une autre, comme ceci. Et ça va nous donner la possibilité de séparer une trajectoire. Par exemple, si je fais ça, ben là j'ai séparé ma trajectoire en deux trajectoires qui sont indépendantes, c'est-à-dire que je vais pouvoir numéroter de 1 à 15, et puis de nouveau de 1 à 15. Et on peut faire ça chaque fois qu'on a entouré deux énergies. Voilà comment ça va se passer en gros. Maintenant, quelles sont les différentes actions et qu'est-ce qu'elles font? Bon, ben, l'action énergie, vous l'avez vu. L'action eau, c'est vraiment comme les piscines à Welcome. Si par exemple je prenais ce 11 eau qu'on a là et que je le mettais, je sais pas moi, ici, 11, comme j'ai mis le numéro là où il y a une citerne et que l'action associée au numéro, c'est de l'eau, je vais pouvoir entourer la citerne. Et à la fin de la partie, je ferai la somme de toutes mes citernes entourées.
comme vous le voyez dans la feuille de score, il a déjà ajouté les 6 points. Ça, c'est pour l'action. Après, nous avons deux actions particulières et qui seront les mêmes en partie pour toutes les feuilles. C'est l'action astronaute et l'action planning. L'action astronaute, sur toutes les feuilles à partir de celle-là, permet, comme les intérimaires à Welcom, de rajouter plus ou moins 0, 1 ou 2 au numéro. Donc là, sur mon 10 astronaute, je pourrais, au lieu d'utiliser ce 10, utiliser un 8, un 9, un 10, un 11 ou un 12. Si je fais ça, bon, ben, je change mon numéro et en plus j'entoure, enfin, je grise un astronaute et tous les deux astronautes que j'ai entourés, je vais pouvoir valider une action joker. Cette action joker, plus tard dans la partie, quand j'aurai une combinaison action dont l'action ne me plaît pas, ben, je peux utiliser cette action joker, donc la griser, et changer l'action par une autre action, une autre des 6 actions possibles. D'accord ? Mais pour ça, il faut effectivement que j'ai... enfin, je vais avoir droit à une action bonus. Tous les deux astronautes que j'aurai grisés. Et ça marche pareil pour les plannings aussi. Tous les deux plannings, j'aurai une action joker. Les plannings, eux, qu'est-ce qu'ils permettent ? Et là aussi, dans cette aventure et dans les suivantes, ils permettent de mettre une croix quelque part. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y aura pas de malus. Juste, on va cocher un planning. Il n'y a que des bonus à ça. Ça nous fait marquer un deuxième numéro dans le tour, mais c'est pas comme un welcome pour les bis. Il n'y a pas de malus associé. Et il me reste à vous parler des deux dernières actions que sont les robots et les plantes. Les robots, sur trois robots par exemple, ben, si je mettais un 3 ici, je pourrais n'importe où cocher un robot. Les robots, vous voyez, ils relient la trajectoire aux quatre stations spatiales qu'il y a le long de la trajectoire. Et je vais pouvoir cocher un de ces robots. Et si un jour j'ai coché tous les robots qui mènent de la trajectoire à une station, ben, je vais activer le bonus de cette station. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à marquer des points avec cette station. Si je suis le premier à le faire, je vais entourer le gros bonus. Donc là, en l'occurrence, ce que j'avais fait, c'était entourer le x9. Par contre, si quelqu'un l'a fait avant moi, ben moi, je griserai le x9. Et quand je finirai ma ligne de robot, ben je n'entourerai que le petit bonus, c'est-à-dire le x7. À quoi servent ces bonus ? Ben à la fin de la partie, je vais marquer pour chaque station que j'ai totalement reliée, donc j'ai coché tous les robots qui le relient à la trajectoire à la station spatiale, je vais marquer le nombre de plantes que j'ai entourées fois le bonus. Donc là, vous voyez, j'ai entouré 2 plantes fois 7, ça me fait 14 dans la station 2. Comment j'entoure ces plantes ? Eh bien, grâce à l'action plante, bien sûr. Donc, si j'avais, mettons, un 15 plantes ici, je vais pouvoir entourer une plante d'une station qui est possiblement reliée à cette section de trajectoire. C'est-à-dire là, comme au début, je n'ai qu'une seule trajectoire, je vais pouvoir cocher n'importe quelle plante de n'importe quelle station. Mais si, par exemple, au cours de la partie, je coupe mes trajectoires en deux, là, avec mon caisse-plante, je ne peux cocher qu'une plante de la première station ou une de la troisième, de la deuxième, pardon. Pour cocher la troisième et la quatrième, il aurait fallu que je mette mon 15-plante sur la deuxième section de trajectoire. Donc, je ne coche les plantes que dans les stations qui sont reliées à la trajectoire où j'ai mis le numéro. Voilà. Alors que les robots, eux, sont libres de tout. Quand je veux cocher un robot, je le coche où je veux. Voilà, il me reste à vous expliquer. Toujours pareil, les missions, on verra lesquelles elles sont. Mais le score, donc le score des stations, ben, je vous l'ai montré. Sur la mienne, là, j'ai
Sur ma station 2, le numéro est sur la boule au-dessus. J'ai donc 3 plantes de cocher x 7, ça me fait 21, etc. pour chacune des stations. Après l'eau, bah, si j'avais coché des eaux, c'est la somme des eaux des citernes que j'ai entourées. Après, là, ça va être un point. Pour la plus grande section de trajectoire totalement numérotée. Donc si là j'avais une croix, mettons, un 6, et que j'en ai fait une section, ben là j'ai une section de 1, 2, 3, 4 cases, c'est ma plus grande section complète totalement numérotée, je vais donc marquer 4 points. La case suivante, c'est le nombre de sections complètes. Ben, dans mon exemple, si par exemple j'ai Là, t'en as une. un ici, et là j'en ai une, et si j'en refais une autre, ben là j'en aurai que deux, les autres n'étant pas complètes. Ben, donc j'ai deux sections complètement numérotées. Et je vais donc comparer avec les autres joueurs, en l'occurrence là, Adeline, qui a rien foutu et qui en a zéro. Et que donc, Merci pour l'exemple. ben, moi je suis. Voilà. Très inégal. Moi je vais marquer 20 points. Le deuxième va marquer 10 points. Le troisième, 5 points. En sachant que pour marquer des points, il faut avoir au moins une section totalement numérotée. Et enfin, les erreurs système, ben, quand on ne peut pas mettre de numéro, ce qui peut arriver assez vite si vous ne coupez pas votre trajectoire en plusieurs parties. Voilà, moins 5 points quand j'aurai coché une erreur système, moins 10 quand j'en aurai coché 2, et moins 15 quand j'en aurai coché 3, sachant que si je les ai toutes cochées, ça met fin à la partie, comme si j'ai fait toutes les missions, ou si j'ai numéroté toutes les cases. Ça, c'est les conditions de fin classiques. Par contre, quand je coche pour la première fois une erreur système, on me donne un petit cadeau, on me donne une énergie que je vais pouvoir Ça, c'est cocher, pas mal. et donc qui va pouvoir probablement me débloquer. Pareil pour la seconde. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Bah, je crois pas. C'est une chose que je ne vous ai pas dite, mais qui n'a rien à voir avec les règles. Sur chaque feuille, il y a un easter egg à trouver. Donc sur la première, je vous laisserai chercher. Et sur la deuxième, là Y a aussi, quoi à je vous laisse trouver, tu as dit? chercher. Un easter egg, c'est-à-dire un élément graphique caché qui n'a rien à faire là. Donc là, en l'occurrence, il y en a un. Si vous le trouvez, à vous de le dire. Et Chiara. Les plantes, oui, c'est comme les parcs et les robots, c'est pas les barrières, c'est Bah, les énergies qui sont les c'est un peu barrières. le même Il y a principe. Goldorak, alors oui, c'est ça, c'est pas Goldorak, en fait, c'est un vaisseau Golgoth, donc les ennemis de Goldorak, parce que la base des Golgoth dans Goldorak est sur la face cachée de la Lune. C'est une soucoupe de Vega, exactement. Bravo, Franck. Moi, je suis pas complètement en désaccord avec Kira quand même, parce que les barrières, je pense, c'est dans le sens où tu peux faire. Enfin, le parallèle robot-barrière, dans le sens où tu peux mettre le robot n'importe où. Comme C'est les vrai, barrières. c'est vrai. Oui, il y a ce parallèle-là, mais ça ne te forme pas des Ouais. lotissements. Il y a ce parallèle-là, tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est où on veut exactement, Kara. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, J'efface je aussi. vais effacer toutes mes bêtises. Tu me fais un gribouillis. Voilà, j'ai effacé toutes les bêtises. Et je vais nommer cette aventure. On va la nommer. T'écris ça où? Je vais l'écrire dans l'espace, moi. Je vais tout effacer parce que j'ai écrit plein de bêtises.
Hop, c'est bon, j'ai effacé. Ah non, j'ai pas effacé mes plantes. Ni mon action, ni mes 20 points. Et là, j'ai 4 points parce que j'ai mis 4 points aussi. Et je vais appeler ça. Ah oui. Voilà. On va appeler ça. Je suis pas sûr que ça s'écrive comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Ah, laïque, oui. Le voyage de Laïka. Parce que pour ceux qui savent pas, Laïka était donc le chien russe qui a fait le premier séjour dans l'espace, qui en est mort, hein, parce que forcément ils l'ont pas ramené, ces salopards. Ça, c'est... Ouais. C'est le truc Mais que les gens ouais, qui est pas. n'évoquent pas. C'est ça. Mais c'est le premier être vivant, je pense. Hein. Je suis même pas sûr qu'ils ont envoyé des rats ou des trucs. Qui a séjourné dans l'espace. Alors, je vais régler mes caméras. Voilà. Avez-vous des Voilà, questions pour avant de ceux. commencer? Ah, c'est J'ai un une petit voiture de bug. collection. Jérôme dit la voiture de collection. D'accord. Je n'ai pas suivi Je pense que la c'était... référence. Ah, est-ce que vous pouvez réexpliquer l'action de Joker? Mais en fait, quand tu entoures deux astronautes ou deux plannings, que tu utilises cette action-là, tu vas donc tu vas entourer quand tu utilises l'action astronaute un astronaute et même chose pour le planning. Et quand on obtient deux, tu entoures ton action de Joker et tu peux du coup utiliser cette action de Joker pour un prochain tour changer enfin transformer une action par exemple une action O en une action de ce que tu veux de ton choix. Voilà, c'est tu transformes Voilà. l'action On est dans. associée au chiffre à la base par celle que tu veux. Ah oui. Tu as raison, Franck, j'avais oublié une petite plante. J'avais Ah oui, triché. mine de rien comme ça, hein? Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme. Alors, nous avons un choix à faire, chers amis sur le Eh chat. oui. Alors, en tant que capitaine, le devoir donc d'Alain, n'est-ce pas, est de déterminer nos priorités. Soit nous devons rejoindre les stations spatiales, soit nous devons respecter notre trajectoire et les procédures. Donc la A, les stations spatiales, rejoindre la station spatiale, et la B, respecter les trajectoires et les procédures. Que voulez-vous? Donc, station spatiale ou procédure? A ou B? Dites-nous. Ça va déterminer les missions qu'on va A, utiliser. A et B pour l'instant. 2A. Oui. 2B. 2A, 2B. Bon. Ça n'aide 3B. pas. 3B. Sans qu'il y ait un petit malin qui va mettre en 1. Ah non. A, Ah, B, 4B. 5B. B. On a 5B. On sent que ça va être du B. Respecter les A. procédures, les gens sont carrés, hein. 3A. Ça fait 4, non? Ah non, 3, hein, tu as raison. 3, 6B, je crois, ou 5B. Adeline, elle vote deux fois. 6B, ouais. Elle redit B. Ah oui, c'est triché! C'est triché, Adeline. Donc 5B et 3A, je pense que Ouais. on est bien. Donc le B, on On est bien. va respecter la trajectoire et les procédures. Ouais. Alors, tout ça ne servira à rien si nous ne réussissons même pas à atteindre la Lune. Pensez à brasser les réservoirs et à corriger votre trajectoire. Voici vos ordres de mission. Donc nous avons les missions 71, 73 et 75. 71, 73 et 75. Donc il faut que je mette la 75. Mais moi, comme j'ai un bug d'affichage, je ne vois pas trop ce que je fais. Est-ce que c'est bien la 73? J'ai enlevé le 15 qui était sur ta feuille, Alain, qui faisait grincer des dents les gens.
veux même pas démarrer avec un petit numéro, franchement. Va-t-on? Alors voilà. Donc, ces objectifs, le premier, c'est d'entourer toutes les plantes de deux stations. Alors, les stations n'ont pas forcément besoin d'être reliées avec tous leurs robots. Oui. Il faut juste avoir entouré toutes Mais les du plantes. Coup, ça fait pas de point à la fin si tu relis pas. Ça fait pas de point à la fin, donc c'est un peu dommage, effectivement, mais pour avoir l'objectif, oui. Il suffit d'avoir entouré toutes les plantes. Le deuxième, le 73, c'est d'avoir trois sections de trajectoire complètes, une de 6 cases, une de 4 cases, une de 2 cases. N'importe où, voilà. Et le troisième, c'est d'avoir entouré 4 citernes consécutives. C'est pas évident, ça. Hein. Ouais, voilà. Eh ben, démarrons. Nous avons un... C'est parti, Alors, est-ce toi. que quelqu'un veut prendre le relais de Franck? Peut-être que Franck en a marre. Il aurait Possible le ça. droit. Oh, un raid. Oh, il y a un raid. Bonsoir. Ben bonjour, Board Game Club. Tomorrow Bordel Club. Bienvenue. C'est fort Nous sommes sympathique. en train de faire la deuxième aventure de la campagne de Welcome to the Moon. On commence tout juste. Donc, Donc, on vient si vous voulez, je vous voilà. mets le lien. Pour aller chercher la feuille, oui, c'est vrai, j'ai pas mis le lien pour aller chercher la Ça y est, j'ai feuille, mis. tout à fait. C'est parfait. Prunelle, eh ben, merci d'être passé. Mais oui. Et puis à la prochaine. J'espère à dans 15 jours, si ça t'a plu. Et les braves gens qui viennent de nous rejoindre sur le chat, eh ben, si vous avez des questions sur Welcome to the Moon, sur comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. En gros, je peux vous dire que c'est un flip and ride, comme on dit, ou un flip and feel, comme je préfère l'appeler. Ça fait FF, tout ça, c'est mieux. Qui a 8 jeux en un, en fait. Il y a 8 aventures différentes basées sur le même cœur mécanique, c'est-à-dire qu'on va tirer 3 cartes. Et faire trois paires numéro action, numéro action, numéro action, et écrire le numéro dans une case et faire l'action, éventuellement, on n'est jamais obligé, et qui ont été déclinés en 8 manières différentes de jouer, et surtout qui ont été liés en une campagne. Donc là, on fait la version initiation de la campagne qui nous permet d'apprendre les règles de chaque aventure. Et on a juste un choix à faire sur les missions qu'on va avoir, les missions communes qu'on va avoir à chaque aventure. Mais dès la deuxième campagne, vous aurez accès, vous allez découvrir les 115 feuilles cartes campagne qui sont cachées et qui vont bouleverser un peu vos aventures. Même beaucoup, des fois. Vous verrez ça. Mais je ne vous spoile pas plus. Donc, ben, si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. On vient d'expliquer les règles, donc c'est un peu ballot. Mais bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis, ben, on va démarrer. Et puis, si vous avez des questions sur les règles, n'hésitez pas à les poser en cours de route. On est là pour y répondre. Et si vous avez des questions sur le jeu ou sur Blue Cocker, n'hésitez pas non plus. Ah, bonjour de Voilà. Bruxelles. Ben oui. Eh ben c'est parti. Et Chiara est chaude bouillante et veut commencer la deuxième. Ben on va démarrer. Allez. On démarre avec ce 3 robots, ce 10 astronautes et ce 11 hauts. Alors je vous rappelle que pour le robot, vous pouvez cocher n'importe quel robot, où qu'il soit, c'est pas un souci. Que l'eau, ben, il faut mettre son numéro sur une case qui est accolée à une citerne, et que l'astronaute vous permet de changer votre numéro en plus ou moins 0, 1 ou 2. Donc là, vous pourriez mettre un 8, un 9, un 10, un 11 ou un 12. Et voilà. Et je vais démarrer le voyage de Laika Allez. avec un. Avec un 11 ou allez, on est Moi, fou. j'ai voulu faire pareil. Mais on fait pareil. Allez. Bon.
11 euros pour moi. Chaque fois que je fais ça, je me plante, mais... Eh bien, Franck, si tu veux, si ça ne te dérange pas, Mais oui. c'est super cool. Mais on ne veut pas te Non, l'imposer non non. plus. Hein. Si t'as... Normalement, les gens qui regardent et qui sont sur le chat, ils ne bossent pas, quoi, tu vois. Mais bon, comme nous, on est Mais feignants. tu Voilà. vas nous faire un petit truc qui le fera automatiquement, Alain. Oui, normalement, je suis censé développer un petit bout de code qui va faire ça automatiquement sur TTS et où on aura juste à faire un rapide copier-coller sur le chat. Ça sera ultra pratique. Mais oui, voilà, mais j'ai Mais toujours pas c'est eu pas le temps. grave. Pour le moment, j'ai scripté 4 feuilles et demie, donc je vais surtout essayer de finir de scripter les feuilles. C'est plus important Mais je vais peut-être faire ça aussi. qu'on Ouais. puisse jouer. C'est ça. Allez, on continue. 12 Ouais. astronautes et 7 plannings, 7 robots. Douze astronautes, 7 plannings. C'est pas bête de faire du planning, hein. Moi, je vais faire un 14 astronautes. Ça marche aussi. Sais pas si c'est bien, mais... T'as un joker de... d'entourer, toi? J'ai un joker d'entouré, c'est mal. Non, mais on va faire en 7 robots, moi. Oui, mais du coup, tu vas te retrouver avec une croix à mettre quelque part. Non, j'ai fait un robot, pas un Et oui, planning, mais finalement. dans ton... Oui, je vais devoir mettre une croix. Oui, j'utiliserai un planning. Quoi que ça soit. Oui, tu as tout à fait raison. Ça marchera pas ça. Alors, 9 plannings, un robot et 5 plantes. Ah ouais, le robot. Pas se le cacher, ça va être bien. Ah, t'as déjà deux robots, toi? C'est ça! Est-ce que ça va sur le chat? Est-ce que on enchaîne trop vite pour l'instant si je passe là maintenant tout de suite, par exemple? 10 et 7 robots. Dites-nous si on va trop vite ou trop Ouais. lentement. Il Et n'y a pas de souci. coup, donc 7 et 10 robots et 9 énergies. Une énergie. Oh. Oui, une énergie, oui. Mais 10 robots. Hé. Allez, un 10 robots, on est fou encore un peu. Donc quand on fait nos deux, quand on a entouré les deux énergies, on entoure tout de suite notre petite barre et on la fait tout de suite. Ouais, c'est immédiat. Très bien. Kara dit que ça va. On a perdu les gens du Bon, eh raid, je ben. crois. Et à peu Oui, c'est personne. vrai. Et c'est souvent le cas sur un raid, ils regardent un peu et puis ils restent pas forcément, mais c'est gentil de Oui. nous avoir envoyé. Puis c'est vrai que quand c'est une partie qui est en cours, que t'as pas suivi les règles, bah c'est un peu Ouais. rude. Ils sont concentrés, ils sont à fond. Allez, on est reparti. Alors, 8 et 9 eaux et 14 plantes. Ah, je ne peux pas refuser ce 8 haut. Ah oui, toi, il tombe bien. Exactement. Ouais.
C'est quoi le nom de ton voyage à Mais toi? c'est Addy Fox. Ah, d'accord. Ok. J'écris mal, je sais, mais Voilà. Mais c'est dur d'écrire la c'est souris. trop dur. J'aurais dû faire comme toi, j'aurais dû écrire qu'en majuscule. Ah oui. J'ai voulu faire un D. Un D minuscule. Non, mais c'est bien, c'est de l'art abstrait, c'est joli. 15 Alors. énergies, 8 et 12 robots. Bon, là, il va peut-être falloir prendre cette énergie. Il y a des robots, mais. Remarque. C'est dangereux. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre ce 12 robots. Il est quand même. Il tombe super bien. Et du coup, j'ai le gros bonus de la station 4. Donc vous pouvez tous le rayer. Le gros. Voilà. Et si jamais vous faites tous les robots de la station 4, ben vous ne ferez que le x7. Ouais, ben j'ai hésité moi aussi à prendre cette énergie, mais tant pis. Tant pis, soyons fous, il faut prendre des risques dans la vie. Allez, 2 énergies, 1 astronaute et 10 plantes. Waouh, 1 astronaute. Bon, j'avoue que ce 2 énergies, maintenant, on va peut-être le prendre. On va le mettre là. Ah oui, Franck a déjà pris une erreur système. Mais du coup, ça t'a débloqué vu que ça t'a donné une énergie. Je joue comme un flan. C'est drôle comme expression. Moi, je sais pas si je joue très bien là. Je joue pas comme d'habitude en plus sur les robots. D'habitude, je fais les robots au même endroit que je commence à compléter les plantes. Moi, je perds pas. Au début, je vais où je veux. Mais t'as raison. On peut faire un numéro négatif. Non, d'âge, on peut jamais faire de numéro négatif à Welcome. Ça s'arrête à zéro. Donc, si tu as un 1 et que bah, tu peux faire que moins 1 avec la standard, quoi. Par contre, tu peux aller jusqu'à 17. Tu peux faire 15 plus 2. C'est un héritage de Welcome où les numéros étaient censés représenter des numéros dans la rue, de maisons dans la rue. Et donc, ben voilà, on fait pas. Le facteur, il comprendra pas qu'il y a moins 1 dans la rue. Donc on a gardé ça. Oui, faut pas tout changer. Sans trop de raisons thématiques pour Moon, mais ça permettait aux gens aussi qui avaient joué à Welcome d'avoir cette Faut avoir base-là des repères un peu aussi. quand même. Ben oui. Alors. Bon, tu as beaucoup plus de points que moi, ça va pas du tout. Oh, 3 points. Ben oui, c'est énorme. 4 et 11 plantes et 12 Alors. robots. Oh, ben 4 plantes, on va se gêner. Ça y est, je reprends le lead. Et si jamais j'ai un 13, 14 ou 15 haut, je fais l'objectif Ah oui. 3. Si. Oh, aïe aïe. Tout à fait. Moi, j'en ai fait que 2. Ils sont pas à côté en Non. plus. 4 plantes, pas haut. On te dit. Ah mais oui mais pas du tout mais oui mais j'étais Bravo. j'avais envie de faire mes plantes et alors bah du coup pas du tout du coup 4 plantes Merci Adeline 4 plantes de non mais veiller au grain. 11
12, 13, 14, 15. Ouais, bon, on va faire 11 plantes ici. Hein. Du coup, ça marche mieux, comme ça. Déjà, 10 points sur la station 4. Ouais, je triche grave. Ah, et puis du coup, ça te fait monter vachement les points. Là. Oui, du Allez. Coup, je pense à 21. 4 plantes, 12 et 6 énergie. 6 énergie. C'est ballot, ça. 12 énergie, c'est ballot aussi. Oh, ben non, 12 énergie, c'est bien. Allez. Ah, c'est bien, c'est bien. 4 plantes serait mieux quand même. Ouais, si j'avoue, j'hésite à changer ce que je viens de faire. Alors, on va le mettre là. Allez, 4 plantes. Du coup, c'est dangereux ce que je fais. Il va falloir d'énergie bientôt. Ouh là là. Ben oui. Ah non, t'as quand même des trous en bas. Un peu des trous en bas, mais bon... Ah, une nouvelle énergie à 4, à nouveau. 4 énergies et 9 et 6 astronautes. Bon, et ben d'accord, on va prendre cette 4 énergies, ok. Moi, je viens de le prendre. Je viens de prendre un 4... Huit astronautes. Allez. 6 planning et 13 et 6 plantes. Six plantes, ça a l'air bien. Allez. Voilà. Non, 41. J'ai le même score que toi, mais à l'envers, dis. Ça va. Tu es vilain. Oui, tu es un mauvais fond. Vilain garçon. Ben, c'est ça, de travailler avec Benoît. Ah ouais. Oui, je lui répète. Il est méchant. Il est méchant, Benoît, avec moi. C'est toi qui es méchant avec lui ou c'est l'inverse? Non, c'est lui. C'est, voilà. Je suis un gentil éditeur et c'est un méchant auteur. Voilà. Ça a été, ça a été plus, compliqué en même temps, l'aventure de Welcome to the Moon au niveau création. L'aventure de Welcome to the Moon a été rendue complexe par voilà, au début il m'avait annoncé qu'il comptait faire 3-4 feuilles en campagne mais forcément ils n'ont pas su s'arrêter, donc on a fini à 8 donc ils ont gravement sous-estimé le travail que ça faisait. Réaliser le livret de campagne, c'est énorme. Ouais, c'est ça qui a pris longtemps. C'était un péplum à faire, et puis en plus, on a appris vers la fin qu'on avait 2 mois en moins pour finir, parce qu'il fallait envoyer les fichiers en prod, vu l'augmentation des délais de production de cet été, de l'été dernier. Donc on a un peu passé les 6 premiers mois de l'année à faire du Moon matin, midi et soir, et c'était beaucoup, quoi. Ouais, au bout d'un moment... Autant pour les auteurs, que pour nous, que pour Anne, qui a fait un boulot de dingue, et parce que forcément on lui fait des changements. Même si là Alexis avait essayé de penser au travail d'Anne et de le maqueter un peu pour que ce soit pas trop de nulle part, mais quand même ça a été un boulot énorme. Qu'on ne va pas en faire de suite, donc on va faire une petite pause sur le développement de l'univers de Welcome, parce que là on fasse d'autres trucs, personne n'en veut plus. Merci Chiara.
On a essayé, Oui, il ouais. est bien. Et avec chaque fois des références. Mais bon, je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vais vous spoiler. Est-ce que j'ai marqué ça? Oui, j'ai fait mon 6, donc on est bon. Et donc maintenant c'est 8, 10, Donc 13. 9 robots, En 9. 10 astronautes et 13 énergies. Ah, ce 13 énergie commence à être Ouais, moi tentant. aussi je le prends. Allez. 13 énergie. Moi j'en ai, en plus j'en ai pas. J'en ai pas On deux. va mettre ça. On va mettre ça là. Voilà. On va se faire un peu de place quand même, parce qu'il manque une plante à mettre là-dedans. Un piège qui arrive souvent dans cette faille, c'est qu'on fait des sections, et puis après on se rend compte qu'elles sont quasi pleines et qu'on n'a plus la place pour mettre des Mais oui, plantes, notamment pour tout c'est ça. ça. Donc, c'est terrible. C'est une sacrée organisation, cette feuille, je trouve. Il y a Ouais, en pire. plus on avait. Même si ça prend pas énormément de place, sachant que celle qui occupe le plus d'espace, c'est probablement la 4. Mais il fallait quand même. Ouais, il y avait pire dans les failles. Ouais. Mais il fallait quand même rendre ça relativement esthétique et très lisible. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti sur celle-là. Ah oui, c'est beau là. Moi j'adore celle-là, elle est super belle. Alors on a On a longtemps hésité sur la station, notamment. un. On a longtemps hésité sur la forme qu'allaient avoir les Ah stations. ouais. C'est pas très académique, hein, comme C'est vrai. station spatiale. Mais bon. Juste pour On a un 3 et 11 O et un 5 astronautes. Alors, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ah, le 11 euros, c'est pas très bien. Le 3, c'est pas si déconnant. Ouais, c'est carrément pas déconnant si je le mets là. Mais ça m'aide pas à faire l'objectif. Moi, ça va pas du tout. Mission 3 finie de Franck. Bah oui, lui, il avait fait ça bien. Ah, bah, allez, je vais prendre mon joker, moi. 5. Et oui, il n'a pas oublié son joker. Ouais. 5 O, du coup. Donc, ce faisant, elle a transformé son 5 astronautes en 5 O. Et donc, elle a pu entourer la citerne, la deuxième citerne de la J'avance trajectoire. pas vraiment dans l'objectif, mais bon. Mais ça fait quand même 4 points, C'est ça. écoute, c'est pas mal. Allez, continuons. 8 planning, 5 et 7 énergie. Ah. Que faire? Je vais prendre une énergie, moi. Tant pis. Planning, c'est bien 8 planning, non? Vaut mieux prendre 5 énergies, mais il y a plus trop de la place pour la quatrième plante. Là, ce serait dommage. Bon, ben tant pis. À quel moment tu fais tes cloisons pour un objectif comme le 2, toi tu fais ça plutôt à la fin? Non, si tu veux vraiment faire le 2, il faut le faire très vite en fait. Pour pouvoir bénéficier. Voilà, je suis pas du tout parti sur le 2 là. Tu fais même le 2 en prenant des risques, c'est-à-dire en comptant sur les au moins une erreur système. Ah ouais, ok. Le faire plus rapidement. Alors. Bon, encore, quand Ouh. tu joues à deux, bah, tu peux voir ce que fait l'autre, mais quand tu joues un peu plus, la course aux objectifs devient plus tendue. Ah, des plantes et des replantes. Alors, sur Twitch.
Compte les deux premiers qui font un objectif avant d'annuler sa première position pour les autres joueurs. Hein? Ah oui, alors on va pas on fait pas le décompte là, Jérôme. Ouais, il faut qu'on y réfléchisse à ce genre de règles pour jouer à beaucoup. Et en fait, on n'a pas eu le temps avec Benoît et Alexis de s'y pencher. Donc pour le moment, ben c'est plutôt nous deux qui jouons et qui déclencherons les choses, et vous qui suivez, mais vous êtes moins intégrés, j'admets. Mais on va essayer d'y penser, mais vraiment là, no time pour ça. Je suis trop à la bourre sur à peu près tout. Ma to-do list commence à. Sur Vegas, ça marchait bien, mais ces failles-là ont quand même. Vegas et Welcome ont été conçus à la base pour marcher à vraiment beaucoup de joueurs. Donc il y avait besoin que de ces petits ajustements. Là, il faudra faire un peu plus de réflexion parce qu'elles ont pas été pensées pour jouer à tant que ça. Mais toujours est-il que je n'ai pas. Marqué ça, alors qu'est-ce que je fais? Je le mets là. Allez, je le mets là. Je fais ma dernière plante. C'est vrai que ça te fait un max de points là. 40 points, c'est Ouais. propre. Je ne dirais pas muf. Ben, c'est Allez, parti. 8 plantes, 8 eaux, 9 robots et 15 plantes. Oh, c'est pas débile du tout. Mettre ça là. Allez. Bon, ouais, je ne sais pas ce que ça va donner tout ça. Alors, Non. 11 plantes, 8 énergies et 6 robots. Énergies et 6 robots. C'est tout pourri. Oh, ça va, hein. Bah ouais, mais bon. C'est pas génial, quoi. Bon, déjà, je peux pas le mettre dans ma dernière section. Je pourrais mettre ce 6 robots là, mais ça me crame une eau. Et donc là, est-ce que j'ai envie de mettre un robot ou une énergie? J'ai peut-être envie de mettre une énergie. Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. C'est pas débile. C'est pas totalement débile. Allez. Et 8 que je vais mettre. Qu'est-ce que je me crame en fait? Je me crame des gros numéros. Ouais, je vais me cramer des gros numéros, moi. Je suis comme ça. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Ok. Allez, 10 robots, 7 plantes, 7 eaux, décidément, et 5 plannings. Oh, le 7 eaux est parfait. Ouais, le 7 haut, on va. Mais bon, ils sont pas contigus de tous ces trucs-là, quand même. Moi j'en ai 3, mais... Ah si, toi t'en as 3. Pareil, Il t'en manque plus qu'un au milieu. un au milieu ou là j'en ai deux contigus aussi. Enfin bon, c'est faisable. Mais il me faudrait un 2. Nous verrons bien. C'est très précis. Alors, il n'y a rien sur le chat. Tout va bien. Ah, tout va bien.
Hop, allez. 7 robots, 13 et 8 énergie. Bon, faut arrêter avec l'énergie là. Moi, je finis les stations, enfin la station 2, les robots. Je la grise. Très énergie. Pourquoi pas? Ah oui, mais c'est non, c'est bête. 8 énergie, c'est bête aussi. Tout ça est très bête. C'est trop beau. C'est trop beau. Non, mais très énergie, hein. C'est marrant, t'en as fait beaucoup plus que moi, du coup. Ouais. Mais je voulais pas. C'est à l'insu de mon plein gré. Encore des énergies. 10 énergies, 8 planning et 11 robots. Non, Elodie, elles doivent pas être dans la même section. Elles doivent juste être. Il doit pas y avoir une citerne pas entourée au milieu des quatre, quoi. Alors, 8 planning. C'est peut-être pas débile, ça. Quoique. Quoique. Non, mais on va peut-être refaire de l'énergie à force. Hein. Mais c'est mal placé tout ça. Allez. On va faire un 10 énergie ici. Et du coup, on va cocher ça là. Ah ouais, tu vas y arriver. Il faut que je remplisse maintenant, mais. D'accord, tout le monde a fait l'objectif C, sauf nous, on est mauvais. Sais pas comment on s'est débrouillé, mais on les a tous séparés. Ouais. Mais on fait plein de points d'eau, nous. Bah, j'en fais moins, mais ça va venir. Ouais, mais 23, c'est déjà pas mal, hein. En fait, il faut faire ceux du milieu, là, ceux qui sont à 7 et 8. Chose que je n'ai pas faite vraiment, mais bon. Ben moi non plus. En plus, il n'y a pas d'eau qui arrive. Alors, 8 planning, 11 énergie et 14 plantes. Faut que ça cesse là. Ça m'enchante pas des Je vous masses. demande de vous arrêter. Ouais, c'est nul tout ça. Le 14, je m'en fous. Le 11, ça me nique des os. Comment tu causes? Et le 8, oui, c'est vrai. C'est mal. Ça me bloque l'accès à certaines citernes. Là, là, je suis fort mari. Allez, on va faire un planning. Parce que c'est bien les plannings. Et on va mettre une croix quelque part, genre là. Moi, c'est pas la fête, hein. Allez, go. 8 robots, 13 énergie et 5 plantes. Oh, ça marche Vous pas. demande de vous arrêter. Il n'y a jamais d'eau donc. Y a de l'eau après. Alors. Ouais. Bon, on va peut-être prendre ces 5 plantes. Mais un peu. Un peu un désespoir de cause. Et on va le mettre là. Du coup. Ouais, j'arriverai jamais à faire ça. C'est débile. Ah oui, mais si je le mets là, c'est tout petit. J'arriverai jamais non plus.
Bon, bah ouais. Objectif B pour Jérôme. Ouais, bah moi je pense que je le ferai jamais. Et A pour Chiara. Et voilà, mais voilà, faites tous les objectifs, allez-y. Ah, il te manque deux Non. plantes aussi, moi aussi. Ah là là là. Et puis, je me suis coincée toute seule. Ouais, c'est ça, moi aussi. 14 astronautes, 5 eaux et 7 plantes. Ah. 5. Oh putain, le 5 euros, je peux pas le mettre. Ah si, là. Ça ne fait pas toujours l'objectif, mais là, ça commence à être. Si j'ai un 14, 15 euros ou un. En fait, il me faut un 11, 12, 14 ou 15 euros. Je fais cet Enfin, il me faut objectif. des plantes, mais des petits chiffres. Allez, 9 et 6 robots et 6 énergies. On fait 6 robots, 6 énergies. J'ai oublié de coucher ça d'ailleurs. 9 robots, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde s'en fout de ça. Ah bon, moi je vais prendre ça. 9. Ouais. Du coup, je finis la première station avec les robots. Bravo. Ah, je te rattrape un peu, dis donc. Bah oui. Est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Oui, j'ai intérêt à faire ça. Bravo. Hippie. Ah non, c'est pas du tout ça que je fais. C'est ça. Il n'y a que nous qui n'avons pas fait d'objectif, Oui. hein. C'est pitoyable. On est nul. Mauvais. Alors, 6 énergies, 9 astronautes et 8 planning. Moi, faut que... Ben oui, mais tu fais que des mauvaises actions Ouais, aussi. j'avoue que ça me va pas du tout non plus. Je vais faire un astronaute comme ça, je vais me Ouais, faire un c'est joker à la fin là. Peut-être y arriver. Il y a des plantes après. pas le mettre. Il faut que j'utilise ces 9 astronautes, mais je vais le transformer en quoi? Ah, en rien en fait. Puis on arrive au bout là en plus. Je parie que les gens, vous avez plein de points. J'ai mal utilisé mon planning tout à l'heure. Erreur. Si ce n'est J. J'ai même pas une section complète, moi. Non plus. Il y a des trous partout. Allez, de l'eau. Non, des plantes. Oh, c'est encore des Alors, je sais gros pas si... chiffres. Ah, c'est peut-être bien 13 et ça. 8 plantes et 9 eaux. Je peux mettre le 9, mais... C'est pas assez gros ça. Ah, mais c'est carrément une catastrophe en fait. Ah non, ah si, c'est une Tu catastrophe. peux le mettre là-haut sinon, à côté de ton 14. Ouais, je vais faire ce 13 plantes là pour pas avoir une erreur système Sinon, tu peux mettre ton parce 9 que haut c'est. après la barre. Ah oui, le 9 haut, mais bien sûr, mais bien évidemment. Merci. Je t'en prie. Et du coup, j'ai au moins une section complète. Ouais, j'aurai deux J'avoue. points. J'aurai deux points, je suis content. Moi, j'ai rien. Continuons. 4 Ouais. astronautes, 8 et 12 plantes. Oh, mais mon Dieu, je vais pas y arriver. Alors 4, ça peut faire un 2, ça, c'est bien ça, ou un 6, Il y a un 3 2, c'est mieux. astronautes. Mais 2, c'est mieux de le mettre là.
et deux astronautes, et du coup je pourrais changer une action. Ce qui va probablement me sauver la vie. J'espère, moi aussi. allez. 10 et 15 planning et 6 robots. Oh là là. Ah, il me faut du planning. Alors, plutôt 10 ou plutôt 15? Plutôt 15. Ah ouais, mais je pourrais changer ce planning. Alors, où je garde ce planning et je fais la croix qui me manque ici. Où je le change en haut et je fais l'objectif. Il y a un dilemme. Non, mais on aura bien d'autres 15 ou 14 ou 11, 12 ou plein de choses. Allez, on va prendre ce 15. Allez, 15 planning. Et du coup, je fais une croix ici parce qu'il me la manque. Et du coup, j'ai un autre planning avec une autre action. C'est pas mal. Et je me demandais si tu utilises le joker en astronaute. Tu recoches derrière, ouais. En fait, ce qui compte, c'est l'action modifiée, quoi. Donc, si tu transformes ton action en astronaute, ben, c'est ouais, un astronaute. Okay. Je voulais faire une croix. Si, c'est bon, j'ai fait une croix. Ok. 10 plantes, 1 robot et 7 énergie. Je vais faire 1 plante. Ouais. Ah ben non, je vais faire ce 10, mais ça va être de l'eau. Et oui! Et du coup, je fais l'objectif enfin! L'objectif C, donc, qui est 11 points, parce qu'on compte pas que vous l'avez fait oui. avant. J'avoue, magnifique ce 1. 3 objectifs, ok, chez Aude. Ah, d'accord. On est tellement à la ramasse. Eux, ils ont fini la partie sans nous. Désolé, on va jouer encore un peu, hein, parce que nous, on est pas prêts de finir. Enfin, quoique si, il ne nous reste pas tant de casques que ça, non, en fait. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 cases. Ah, il n'y a que donc, des énergies, après. Ah, ça va pas... 8, 10, 11. Ça va pas me plaire. En plus que des chiffres pourris. Oh là là. Ah, je suis obligé de le marquer. Ah, les boules. Bon, ben... Je suis obligé donc, hein? Ben oui, moi aussi. Je vais me cramer une eau. Putain. Qu'est-ce que j'avais fait, ça? Non. 11 énergies. Bon, ben ok. Bon, ceci dit, ça fait une deuxième section complète. C'est ça. Bon, allez, les gros chiffres. Allez. 4 robots, 4 planning et 7 eaux. C'est nul. Oui, c'est nul. Je suis d'accord. 4, je peux pas le mettre. C'est ça. 4, je peux pas le mettre. 7, je peux pas le mettre non plus. Bon, bah, erreur système. Du coup, il faut que je coupe un truc en deux. Ah oui, du coup, ce serait peut-être intelligent. 2, 2, 4 et 2, 6. De faire ça. Au moins, ça me fait une section en plus, et une section de 6 complète, une section de 2, et une section de 4. J'ai donc l'objectif A. B, pardon, qui est à 12 points. Objectif B, ok. Ah oui, on les a pas flippés, nous. On va plus les flipper aussi, les objectifs. Bah, j'ai fait. Ah bah ils ont retourné en bizarre. Ah il y a un bug sur le. Je crois que t'as superposé on va pas le les que... deux. Ah oui. Et donc comme j'ai superposé. Décollé. Non. Hop.
ça marche mieux. Voilà. Ok. 7 astronautes, 9 et 5 énergie. Moi, je voudrais un 2. Moi, il me faut un 6, un 1, un 2 ou un 3. Ah, remarque avec cet astronaute, je peux faire ce 6. Sauf que si je fais 6, je fais pas d'eau, quoi. Ça m'ennuie, mais beaucoup, beaucoup. Un 2, un 3, un 6, je vais quand même le faire. Est-ce que ça me fait finir un... De toute façon, il me reste plus que deux cases, moi. Je prends combien de points par coup que je ne peux plus jouer? Je ne comprends pas bien la question. Bah, je comprends pas pourquoi Je ne peux t'as pas jouer un coup. pas beaucoup de cases. J'ai deux croix, t'en as deux aussi. Et Je me suis trompé? t'as joué là ou pas? Ouais. Eh ben, toi t'as trois cases blanches, moi j'en ai que deux. Donc j'aurais joué une fois de trop. Ou alors tu as transformé une de tes actions en... Ben non. Non. Ouais. Ah oui, Jérôme. Oui, ben j'avais pas... Ah non, un refus de permis. Oui, j'ai un refus de permis, oui, c'est pour ça. Ah oui, merci. Merci, Franck. Heureusement qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent mieux le jeu que nous, hein, parce que ça m'avait échappé. Bon. Oh, un 2! Magnifique! Ah oui, ça va me plaire, un 2, ça. Je fais un 2 plantes pour finir l'objectif A! Ben moi, je vais mettre mon deux robots ici. Et puis, je vais faire ça quand même. Même si ça ne servait à rien. C'est déjà ça. Voilà, il me reste deux cases. Moi, il me reste une. Un 3, un 14 ou un 15. Allez, je sais que tu peux le Un faire. 3. Oh, et du coup, je fais l'objectif C. C'est magnifique. Ah, j'y croyais pas. Un 3. 6 points. Ah mais non, je vais le changer, je vais faire un 3 plantes. Bien sûr. Ça me fera quand même 5 points. Bah c'est fini. Mais c'est fini, t'as tout Oui. rempli? Eh ben, tu vas peut-être gagner, hein. Alors moi, ma plus longue, ah non, ma plus longue, elle est quand même, non, ça c'est 6. Moi, elle fait 15. Non, moi, elle fait 6, ouais. Par contre, des complètes, j'en ai une, deux, trois, quatre, Ah oui, t'en as une cinq. de plus. Oh, perdre de... Ben non, tu fais quand même 10 points, ouais. Donc je perds de 8 points. Oh. Ouais, c'est mon erreur système, hein. J'aurais pas dû. Ah, t'étais à 136. Eh ben bravo. C'est différent parce Ouais. qu'en fait, si c'est pas une erreur système, ça veut dire que je remplis un truc aussi et que je finis en même temps que toi, Ouais, c'est vrai. que j'ai probablement un... Ben moi aussi un 15 ou un 14, vu que ça fait 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8 et 2, 10, 12, donc 14, ouais. Donc ben voilà, en fait, ça. Voilà. Et ben voilà, C'est vrai, bravo! mais oui, merci. Toi le capitaine! C'est vrai que 15, c'est beau, comme plus grande section. Enfin, c'est pas mal. Ouais. C'est pas souvent. 139, c'est pas mal aussi. Ah bah ouais.
On a fait pas mal de points d'eau, on aurait pu maximiser, mais. C'est vrai qu'on est Mais à peu près à au-delà de égalité. 40, au-delà de 40, c'est bien. Finalement, tu as fait plus de points De plantes. de station que moi, parce que bah, j'en fais qu'une en fait, enfin une un peu plus, Ouais. mais. Garde ça. Je te gratte un peu aux objectifs, mais forcément, l'erreur système est. Et la pauvre plus longue section A6, ça me tue Et un le peu. nombre de sections, pourtant, ça rapporte quand même 10 points de plus. C'est pas mal, mine de rien. Vous avez fait combien, les gens? Et ben voilà pour cette aventure 2. Ouais, dites-nous vos scores ouais, un peu. 118, 100. 106 on avait avec Franck. Je suis partie du principe qu'en ayant plus Là, qu'un, je pouvais m'octroyer le max de points. oui, bah oui. Ouais, t'as 6 sections. Ouais, bah dis donc. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Pareil. Oui, bien sûr. Voilà pour cette aventure 2, donc qui est pas très dure à comprendre, mais qui est un peu dure à gérer parce que bah, il faut gérer ces sections de trajectoire au bon moment et pas trop tôt. Moi, je l'ai finalement fait un poil tôt parce que bah, j'ai été obligé d'en prendre à la fin et c'était mal. J'ai fait ce que j'avais voulu sur la quatrième station, mais c'est à peu près tout en fait. Et comme chaque fois, je sais pas pourquoi j'arrive pas à jouer l'eau sur cette feuille, donc chaque fois que j'essaie de la jouer, ben je me fais avoir. Bon, on a joué tous les deux pourtant dessus. Ouais, mais tu vois, pour bien faire l'eau, il faut faire ce qu'ils ont fait, eux. Ils ont fini l'objectif de l'eau, c'est-à-dire le C très très tôt, quoi. Comme ça, après, bah, soit tu continues à faire de l'eau, mais t'es pas obligé. Tandis que moi, j'ai essayé d'en faire un max, et finalement, tu te rends compte que je fais pas les bons, quoi. Je fais un 7, un 8, mais je fais pas les deux autres, ce qui aurait fait 15 points de plus. Et je fais des 4 et des 5. Bon, Oui, c'est vrai c'est pas on ça. a plus de points qu'eux, mais ils auraient fini plus tôt. Donc nous, on n'aurait pas été jusque-là. Oui, bien sûr. Oui. Nous, on fait rien hein, si on s'arrête avant. Ouais. Parce qu'ils finissent, il y a quoi? Il y a 4 tours. Moi, en 4 tours, je finis plein de sections. Je fais 2 objectifs. Enfin, je suis en dessous de 100, je pense. Il y a 4 tours. Oui, moi aussi, c'est ça. Eh bien, content que ça t'ait plu, Aude. J'espère que ça a plu aux autres. Dans 15 jours, on fait l'aventure 3 et l'aventure 4. Enfin, pas moi, mais probablement Alexis et Benoît ou un des deux. Bah, peut-être pas, en fait. Ah, Peut-être pas peut-être tout de pas. suite, ça Bon, ben, peut-être sera quelqu'un peut-être d'autre. plutôt au mois de décembre avec J'ai envie de Alexis, en tout cas. Et puis là, peut-être plutôt avec une boutique que j'ai visitée cet été à Ah. Bruxelles qui s'appelle Le Bar à Jeux et Ah bah très qui est un bien. endroit trop bien. Ah bah cool. Ah Donc bah ça me plaît. peut-être, je sais pas, c'est en projet, mais à voir ce que ça donne dans les prochaines Bah discussions. écoute. Mais vous serez mis au courant dans tous les cas sur Facebook de Oui, bien sûr. Bocoker. En tout cas, bah on change pas les jours. Ce sera mercredi dans 15 Ouais, jours, c'est ça. hein? Donc le 8 décembre. Et donc, ben voilà, c'est tout pour les parties. Maintenant, on va ben répondre à vos questions et parler un peu de Monde de Blue Cocker si vous avez des Tout à fait. questions ou si ça. Donc, ben ceux qui étaient là juste pour jouer, merci d'être passés. Et ceux qui ont envie de causer un peu avec nous, n'hésitez pas. On est là pour Alors, on ça. va pas non plus traîner, traîner, hein? Alors, Elodie, le commander pour Noël, j'espère. Normalement, le prochain print arrive juste avant Noël. Mais si tu veux le commander, les boutiques, il doit leur en rester quelques boîtes là, mais ça va pas durer quoi.
On est en rupture distributeur, donc les boutiques en ont encore chez elles, mais elles peuvent plus en commander. Donc, ne tarde pas trop, quoi. Voilà. Et pareil pour Dage, si vraiment vous le voulez pour Noël. Bon, après, il n'y a pas d'urgence non plus, hein. L'année prochaine, il y en aura, hein. Mais voilà, si c'est pour un cadeau, Oui, là, ça va être un peu juste. voilà. Eh oui. Il y a école demain, ben oui. Mais oui, je suis la première concernée. Voilà. Donc ouais, pas trop longtemps, mais si vous avez des questions ou si je sais pas, ouais, je sais pas. Ah, est-ce qu'il en reste chez Blue Cocker? Quelques-unes chez Blue Cocker, oui, vous pouvez en commander sur le site, mais on n'en a pas beaucoup. Hein. Je crois qu'on en a 5 ou 6 à peine. Donc, ce sera pas. Je pense qu'il y en a plus dans certaines boutiques. Il y en a au Passe-Temps, il y en a à Jeux du Monde, parce qu'ils en ont commandé beaucoup trop. Enfin bon, non, ils vont les vendre, mais ils en ont commandé plein, Jeux du quoi. Monde, c'est une boutique à Toulouse? Ouais, c'est les deux grosses boutiques à Toulouse. La troisième étant C'est le jeu, et il y a aussi, on a 5 ou 6 boutiques à Toulouse. Donc Ouais. voilà. C'est un projet de le mettre sur BGA, sans vous spoiler, à cause de la faille 8, c'est très difficile à mettre sur Bah BGA. ouais. Et c'est un peu bizarre de mettre que les premières. Alors, il y a un sondage qui est en cours sur le Discord du passe-temps, justement, et qui prouve que, en fait, c'est assez disparate. Chacun a sa faille préférée. Il n'y a pas des failles qui ressortent vraiment. Un peu la 3, parce que c'est celle qui ressemble le plus à Welcome, donc voilà, mais ça prouve qu'il n'y a pas des feuilles moins bien que d'autres, quoi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Rod, il y a quoi à venir maintenant chez Blue Cocker? Plein de choses. Des choses très différentes. Le prochain jeu de Blue Cocker ne sera pas chez Blue Cocker, mais sera chez Black Squirrel. Je crée une nouvelle marque commerciale qui commencera avec ce Oh. jeu. En fait, si on prend le logo de Blue Cocker et qu'on fait un miroir et qu'on le tourne un peu, on discerne un écureuil. Et donc, je vais créer l'écureuil noir pour la blague, parce que ça marche bien quand on le retourne, mais surtout pour faire vraiment une marque commerciale différente. Donc, un message fort pour dire que les jeux qui seront chez Black Squirrel sont plus destinés à un public Ah adulte oui, ok. qu'avec une thématique et un traitement adulte. Ce sera le premier jeu, par exemple, s'appellera C'est arrivé près de chez toi. C'est un jeu d'enquête one shot où tu es une équipe de privés qui a un pote au commissariat du coin. Et qui, grâce à Spot, a accès au dossier de meurtre qui vient d'être commis. Donc, dans le dossier, il y a juste les photos de la scène de crime, un rapport très préliminaire d'autopsie et quelques éléments. Ça peut être un article de journal ou un ou deux trucs. Et on a juste ça dans l'enveloppe du dossier. On vous donne ça, et à vous de découvrir, de résoudre le crime, quoi. Et c'est des vraies photos. On n'a pas utilisé d'illustrateur ou d'illustratrice pour ça. On a tué des gens et on les a pris en photo. Non, vous avez fait des tournages. Voilà, on utilise en fait une photographe et une maquilleuse, et on prend des photos de la scène de crime. Donc c'est très immersif, parce que c'est des vraies photos. C'est effectivement pas pour public familial, parce que tu vas pas montrer à ton petit neveu de 5 ans, regarde le cadavre là, tu vois, c'est relativement cru, on va dire. On espère que le proto final sera à Cannes, effectivement, mais il sortira pas pour Cannes. Les auteurs, c'est Pierre Voy et David Simiand, qui sont plus vraiment de Dijon. Il y en a un qui est parti à Poitiers, je crois, mais qui sont Dijonnais à la base.
qui m'avait présenté plein de protos déjà, mais celui-là, quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué. Malheureusement pour eux, le Covid est arrivé c'est un projet qui a pris 2 ans de retard, vraiment. Non, comme je l'ai dit, Jérôme, il n'y aura pas d'illustrateur là-dessus. Il y aura un maquettiste ou une maquettiste, et ce ne sera pas Anne, parce qu'elle a... Elle a trop de boulot en ce moment pour faire le maquettage de ce jeu-là. Mais il n'y aura vraiment pas d'illustrateur, en fait. C'est vraiment des photos, quoi. Oui, la couve. Oui, il y aura une couve. Mais même sur la couve, il y aura probablement une mini-enquête à faire sur la couve. Donc, la couve présentera des photos, en fait, aussi. Il y aura d'ailleurs une enquête en dehors de la boîte. Il y aura 4 enquêtes dans la boîte. Et il y en aura une en dehors qu'on filera aux boutiques et au festival pour essayer, quoi. Et pour spoiler un peu, c'est une enquête qui se déroule au passe-temps. Et on a tué Bruno. Voilà. Mais du coup, ça veut dire que c'est plus chez Blue Cocker ou c'est dans Blue Alors, Cocker, Blue Cocker, tu fais Black Squirrel? En fait, quand tu as une entreprise, tu peux avoir autant de marques commerciales que tu veux. Donc, l'entreprise reste Blue Cocker. Mais je crée une marque commerciale. Et donc, sur les boîtes, il y aura le logo Black Squirrel. Même si c'est à la même adresse et tout ça, ce sera une marque différente. Okay. En fait. Donc, ça ne sera pas référencé sur vraiment... le site de Blue Cocker. Si, ce sera aussi référencé sur le site de Blue Cocker. Mais on créera aussi un autre site Black Squirrel. Okay. Il y aura des liens entre les deux, quoi. Pour, voilà, mais c'est vraiment pour dire aux gens, je voulais pas faire une collection chez Blue Cocker, pour que non, je voudrais vraiment que ce soit fort pour que les gens comprennent que ça c'est pour un public adulte, donc où on aura des thèmes traités comme des adultes, quoi, tu vois, comme des romans. Enfin, tu vois, on va pas faire si tu fais un polar. C'est pas forcément pour les gosses. Si tu fais un essai philosophique, ça demande un certain âge. Voilà, on traite les adultes joueurs pour ce qu'ils sont et pas en essayant d'élargir le public cible en disant on va faire que du familial. Non, on s'adresse à vous vraiment, et voilà. Ce qui ne veut pas dire que les jeux seront compliqués. Hein. Là, sur cette arrivée près de chez toi, je vous ai expliqué quasiment toute la règle. Vous avez cette enveloppe, et à vous de trouver le crime, c'est vraiment très simple. Mais et voilà, ils seront traités thématiquement de manière adulte. Okay. Voilà, ça c'est le prochain jeu Blue Cocker. Après, pour le reste de l'année, on va probablement, il faut savoir ce qu'on y met, mais on va probablement faire une big box Welcome de base. En mettant toutes les extensions, plus probablement une petite en plus et quelques cartes en plus, et voilà. Donc, en gros, au format de la boîte de Moon, mais avec tout ce qu'il y avait pour le Welcome de base. C'est vrai qu'elle est plus grosse, la boîte de The Moon. Voilà. Je vais probablement sortir aussi, ressortir le Welcome Mini. Que... J'avais une boîte par là, mais je ne sais plus où elle est. De voyage, comme ça, là. Donc, c'est le Welcome de base, mais en format voyage. Avec des stylos Velleda et des feuilles aussi pour que tu puisses jouer où tu veux. Et on va ressortir Medieval Academy aussi, avec des nouveaux graphismes, une nouvelle thématisation et très peu de changements mécaniques. Mais voilà, le remettre au goût du jour. Et donc ça sera illustré par Anne ou c'est quelqu'un d'autre ? Non. Non, non. Ok. Sera quelqu'un d'autre, on vous révélera ça très bientôt. Voilà pour l'année 2022, et pour l'année 2023, j'ai déjà signé un autre jeu qui est le deuxième jeu de Fabien Gridel qui avait fait Rest in Peace, et qui là va nous faire un jeu de collection
sur une base mécanique de San Marco Light, on va dire, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas San Marco, parce que c'est un très vieux jeu. C'est en gros, tu pioches deux cartes, t'en gardes une pour toi, tu donnes l'autre à ton adversaire, et après chacun peut faire un peu ce qu'il veut de cette carte, soit l'acheter en payant des ressources, soit la vendre en récupérant des ressources, soit la défausser pour récupérer une carte de point de victoire. Ça marche très bien à 2, 3, 4. C'est un petit goût de Seven Wonder Light, quoi. Ok. Tu vois ? Donc c'est à 2. Light. 2, 3 ou 4. Et on travaille sur une... À 4, c'est très bien parce que on joue en équipe. Donc au départ c'était un jeu à deux quand on l'a créé et on se rend compte qu'il marche forcément très bien à deux, mais on a trouvé des versions donc à quatre la version par équipe et à trois une version par équipe où tu joues à deux contre un qui marchera très bien aussi du coup. Et donc il y a pas mal de gens qui préfèrent jouer à quatre qu'à deux, alors que pour nous dans le développement c'était quand même vraiment un jeu à deux. Mais voilà, c'est une bonne surprise. Voilà, et dans des projets beaucoup plus lointains, encore achevés, il y a un jeu de course qui est bien sympa, là, qui commence à bien marcher. Et puis plein d'autres choses, qu'il est beaucoup trop tôt pour en parler. Oui, il y a le temps. Oui, il y a le temps, oui. De toute façon, ce sera 2023 ou 2024, donc il y a le temps. Et il y aura peut-être, je vais peut-être faire une localisation d'un jeu que j'ai vu à Essen aussi, que j'ai adoré. Donc, j'en ai fait qu'une partie à Essen, donc pour moi c'est un peu tôt, mais je vais recevoir le proto là et refaire des parties. Et si ça me plaît toujours autant que la première partie, je vais le localiser en français. Parce que localisation, ça veut dire que tu reprends un jeu qui est fait à l'étranger et... Ouais, et que je le traduis. Ah ouais, ok. Voilà. Ce que font les autres pour mes jeux pour le moment. Et que moi j'avais jamais fait, mais voilà, quand je tombe vraiment amoureux d'un jeu, j'avais failli le faire pour Patchwork. Ah oui, il est trop bien. J'avais proposé à l'éditeur, parce que quand j'avais vu ça, j'avais dit waouh, génial. Mais c'est pas moi qui avait été retenu parce que voilà, je suis un petit éditeur donc. Mais là, je suis un peu plus. Un peu plus de répondant en tout cas, donc j'ai plus de chances de l'avoir. Et puis, donc, si ça me va bien, je le ferai. C'est pas quelque chose que je ferai forcément souvent, mais sur des jeux dont je tombe amoureux, quoi. Je me dis que pourquoi pas. Le Welcome, il est dans combien de pays là maintenant? Dans une vingtaine de langues et une trentaine de pays. Excellent. Non, pas une petite vingtaine de langues et une grosse trentaine de pays. C'est fou quand même de se dire ça, je trouve, qu'un jeu par... C'est excellent. Il nous manque des pays, alors qu'ils ne sont pas des très gros marchés, mais Israël, ce serait bien parce qu'on n'a pas l'alphabet hébreu. Voilà, mais c'est pas un gros marché. Mais... et des petits pays comme ça, mais après tous les gros marchés longs et pas mal de petits. Il y a quelques petites choses qu'on n'a pas en Amérique du Sud, notamment. En Asie, on a quasiment tout. On a Corée, Chine, Japon, Hong Kong, on a Australie, en Amérique, enfin USA, toute Amérique du Nord, USA, Canada. On a le Brésil et en Europe, on a la Russie, la République tchèque, la Pologne, l'Allemagne, les quatre pays du Nord, Finlande, Suède, Norvège et Danemark. L'Angleterre, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, l'Italie... Portugal. Le Portugal, non. C'est ce qui nous manque, en fait, le Portugal et les pays qui parlent portugais en Amérique du Sud.
Et puis la Grèce, mais la Grèce c'est difficile en ce moment. Les pauvres, ils ont autre chose à foutre. Après qu'on les ait. Que l'Europe les ait bien massacrés, avoir des jeux n'est pas leur priorité. Et voilà, en gros, c'est quasiment tous les pays qui ont un marché du jeu un peu au moins émergent, quoi. Sachant qu'en Afrique, bah, il n'y a quasiment pas de pays. Il y aura peut-être l'Afrique du Sud qui va peut-être commencer à développer un marché, mais le reste des autres pays, pareil, a d'autres problèmes que jouer à des jeux de société. Ouais, c'est clair. Il reste quand même une activité de pays développé, comme on dit, même si j'aime pas ce terme. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas. Je comprends que ça soit pas une préoccupation pour le. C'est Pour les ça. gens, quoi. C'est ça. Quand tu dois te nourrir, bah, le jeu passe après. Ce qui risque de nous arriver d'ici pas, pas tard d'ailleurs, mais enfin Non. bon, on verra. Pour l'instant, Et ça va. voilà pour l'avenir de Poker. Sinon, actuellement, ben, nous avons, on va dire, 5 salariés, si on compte Anne qui est pas salariée, mais qui est ma maquettiste et beaucoup mon illustratrice. Nous avons Benoît à mi-temps, nous avons Lola à tiers-temps, tous les deux chefs de projet, et Benoît qui s'occupe aussi des ventes du site et du sourcing. Lola qui s'occupe en plus des chefs de projet, qui est chargée de communication. Natacha qui fait de la traduction et de l'administratif et qui s'occupe de gérer les événements, l'événementiel, les salons et les festivals. Et une petite dernière récente que j'ai en face de moi, qui s'occupe des lives. Voilà. Voilà. À temps très très partiel, mais tous ces gens-là sont à temps partiel choisis. Et c'est très bien parce que bah, je trouve que les gens. Enfin, chacun des travaux que vous faites en dehors nourrit celui-là et vice-versa, j'espère. Donc, c'est parfait. Bah oui, c'est clair, c'est trop chouette que chacun. Et ben voilà. Enfin, moi, je suis ravie, en tout cas. Voilà. Bon, on n'a pas encore signé son Non. contrat, mais ça va venir. voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire à peu près. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, les Ouais, gens? les derniers survivants. Ouais, les Les sept qui restent, 7-6. non, les six, il y en a un qui s'est barré juste quand je dis ça. Ben, si c'est pas le cas, je Ben pense oui. qu'on va vous quitter parce que ben, il commence assez à être à minuit C'est quand ça. même. C'était la Et deadline. que moi, si on laisse parler après. Eh bien, j'espère, ouais. Et puis, ben voilà, Bah merci sinon, d'avoir été là en tout cas. pas grand-chose d'autre à dire. Ouais, ben c'était sympa. Bon, on a été mauvais sur la deuxième partie, mais tu as été moins mauvais que moi, déjà, c'est pas J'ai eu mal. un peu plus de points. Ouais. Mais je l'aime bien, cette Ouais, moi aussi. aventure-là. Moi, je suis très bonne perdante. Hein. Moi, l'essentiel est Ben, tellement elle est, juste de m'amuser, de prendre du plaisir. C'est. Oui, et puis celle-là est justement garde l'attention jusqu'à la fin, Ouais. donc c'est cool. J'espère que ça vous a Ben, merci plu. à toi, Franck, d'avoir noté les tours. Merci à tout le monde d'être ben, déjà de nous avoir regardé et d'avoir joué avec Mais nous. oui. Et puis, ben, vous retrouverez Adeline dans 15 jours avec probablement des Belges. Peut-être. Invité mystère pour l'instant. Peut-être. Mais Invité mystère. dans tous les cas, on aura un invité, que ce soit Alexis ou alors un ami belge. On verra bien. Ben ouais. Ça roule. À bientôt tout le monde. Eh bien, merci à tous À et à bientôt. bientôt. Bonne Ciao, nuit. ciao. Ciao.